Et voilà, bonjour à toutes et tous sur la chaîne YouTube du Planétarium de Vaux-en-Velin dans le futur. Nous sommes encore dans le passé, durant la crise sanitaire, nous faisons un médiateur at home ce soir. Vous savez que le programme Planétarium at home, le Planétarium à distance, est divisé en trois volets. Le volet du lundi avec Astronome at home, présenté par Pierre, où il reçoit une invitée chercheur en astronomie, astrophysique, ou domaine associé. Le mercredi, c'est Médiation at home, où Pierre ou moi vous recevons pour faire une séance de médiation scientifique, diverses et variées sur, en général, des jeux astronomiques, des quiz, ou encore d'autres choses. La dernière fois, on avait fait une maquette ensemble. Et enfin, le vendredi, on reçoit une fois sur deux donc un ou une vulgarisateur, vulgarisatrice d'Internet, quel que soit le médium, que ce soit Twitch, Twitter, YouTube, journalisme scientifique, chercheur qui fait des conférences, etc. Voilà, différentes choses comme cela. Donc on est mercredi 12 mai 2021, nous sommes sur Médiation at home et nous sommes sur le quiz numéro 7. Quiz astro, la revanche. Normalement, vous vérifiez bien, ça fait 6 re et 1 venche, donc normalement c'est bon, j'ai bien compté. Je suis Camille, médiatrice scientifique au Planétarium de Vaux-en-Velin, et je suis avec vous pendant une heure et demie pour ces 3 manches de quiz. Désormais, on fait 3 manches parce que 4 manches, ça va facilement sur les 2 heures, 2 heures et demie. Donc j'ai raccourci à 3 manches, et ça nous laissera plus de temps pour expliquer les réponses aux questions et en discuter ensemble dans le chat. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le chat avant qu'on commence réellement ce quiz? Elle a tout cassé. Non, non, ça va, j'ai pas tout cassé. Avant de démarrer le live, j'ai eu un petit bug. C'est juste que j'avais supprimé un dossier par erreur. Mais c'est bon, c'est réparé. Qu'est-ce qu'on me dit? Sélection de dossier est fait F2 pour... Oui, c'est vrai que ça peut être pas mal aussi, papillon, de faire comme ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis, Joris Gone? Je ne comprends pas. Le volet de la porte-fenêtre? Je comprends pas, désolé. 3 volets. Je ne sais pas, il y a une blague qui est en cours dans le chat, j'ai pas suivi, désolé. Merci pour live, je me coucherai moi bête ce soir, bonsoir à tous. Eh bien, écoute, j'espère que tu vas apprendre des choses, F5PBG. Je suis là pour ça, le Planétarium est là pour ça. 6 repus 1 venche, le quiz du jour. Je ne sais pas ce qu'est un venche, par contre, en toute logique, un venche, ça doit être une partie originelle. Si vous jouez un jeu pour la première fois avec quelqu'un, vous faites un venche. Voilà, ou une venche. Je sais pas si on dit un ou une venche d'ailleurs. Je sais pas, à vous de me dire si vous préférez dire un ou une venche comme le ou la Covid. C'est à vous de décider. Voilà, je pense que c'est l'usage. Enfin, les linguistes disent que c'est l'usage qui fait la langue. Voilà. Avant, on finissait à 22h, ça faisait un peu long le quiz. Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas à 22h quand même. Je sais que je voulais absolument finir le quiz parce que vous vouliez absolument le finir et que je débordais pour vous satisfaire. Mais quand même pas jusqu'à 22h, je crois pas. Allez, en tout cas, là, c'est promis, on fait les 3 manches de 8 questions, c'est le même principe que d'habitude. Une manche, une thématique, 8 questions, 4 propositions pour chaque question et une seule bonne réponse. Et si jamais il y a des doutes sur une deuxième bonne réponse, eh bien, on en discute ensemble et on vous accorde le point quand même. Voilà. À la fin de chaque manche, on fait un petit récap des notes de tout le monde. Et à la fin du jeu, eh bien, on fait un récap des notes de tout le monde. Et je m'efforcerai de vous donner des liens pour en savoir plus sur les différentes questions, vous dire quand je ne sais pas, et vous dire ce que je sais quand je le sais. Voilà. N'hésitez pas aussi à donner des précisions dans le chat si vous avez des infos en plus que je n'aurais pas dites selon les questions. Premier quiz astro pour toi, Tam Nausicaa. Bah très bien. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Camille Le Perse. Je patate. Camille Le Perse. Je suis, top. Allez, je vais vous lire la première question. Attendez que je prépare un petit peu ça dans le bon ordre. Ça, je vais l'ouvrir. Voilà. Eh bien alors, oui, c'est bon, c'est ouvert. Ça, je ferme. Ça, je n'en ai pas besoin. Pour l'instant, vous êtes 49 actuellement. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour la première question. Première manche d'abord. Première manche qui, en fait, est une manche que je reporte de session en session parce qu'on n'a pas le temps de la faire. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de la mettre en premier. Comme ça, vous n'y couperez pas. On va faire cette manche sur la Lunar Gateway. La Lunar Gateway, c'est une nouvelle station spatiale qui va pas vraiment succéder à la Station Spatiale Internationale, hein, mais qui va... comment dire ? Elle sera en l'air, enfin elle sera dans l'espace avant que la Station Spatiale Internationale arrive à bout d'utilisation. Donc elles seront contemporaines, on va dire, voilà. Et contemporaines également avec la Station Spatiale Chinoise qui est actuellement en construction. Donc voilà, il y aura au moins trois stations en place en même temps dans l'espace, plus probablement d'autres, des stations privées, etc. On en parlera durant cette manche.
Voilà, la continuité de l'ISS, c'est très bien, et vous allez voir qu'elle va faire aussi un peu plus, pas tout à fait la même chose que l'ISS. C'est parti. Question numéro 1.1. Alors je rappelle, je vais lire la question, je vais lire les réponses, ensuite je vais vous mettre dans le chat le lien vers le site où vous pouvez voter, et j'afficherai les résultats une fois que je les aurai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement vous montrer comment ça marche. Hop, et c'est la question 1.1. Et je mets comme ceci. Voilà. Et normalement, vous pourrez voter en cliquant sur le lien que je viens de vous mettre. Voilà, et donc à chaque question, je renouvellerai le lien, bien sûr. Alors, la question 1.1 est la suivante. Où sera construite la nouvelle station spatiale Lunar Gateway? Est-ce que c'est à la surface de la Lune? Est-ce que c'est en orbite de la Terre? Est-ce que c'est au point de Lagrange entre la Terre et la Lune? Ou est-ce que c'est en orbite de la Lune? J'ai dit, je crois, j'ai pas dit deux fois la Lune, donc je vais répéter. À la surface de la Lune, en orbite de la Terre, au point de Lagrange entre la Terre et la Lune, ou en orbite autour de la Lune. Voilà. Donc allez-y, votez. Moi, je vais regarder les résultats et je vais vous les afficher quand un certain nombre de personnes auront déjà voté. Alors, voyons voir. Pour l'instant, j'ai 13 votes. Et vous êtes une cinquantaine, donc je vais attendre encore un petit peu. N'hésitez pas à venir jouer. Et moi, j'avais préparé du coup la fenêtre de résultats pendant ce temps-là. Alors, propriété, c'est exactement ça que je veux. Merci le logiciel. Voilà. Voilà. Comment on vote? Eh bien, tu cliques sur le lien qui est juste au-dessus de ton nom, porteur 8834. Je vais te le remettre juste ici. Voilà. Ce lien-là. Et donc, je répète, à chaque question, je fais un nouveau lien qui vous donne une nouvelle page de vote. Et c'est sur cette page que moi, je récupère le résultat et que je vais afficher dans quelques instants. On a 22 votes. Je sais que vous êtes une quarantaine là, ou une cinquantaine, donc je vais attendre encore un petit peu. Vous êtes 52 à regarder. Comme ça, je vais avoir une idée un petit peu du nombre de gens qui participent activement au jeu versus le nombre de gens qui regardent. Et ça me permettra de définir un petit peu une durée de réponse pour chaque question. Pour l'instant, il y a 25 votes. Justement, on va en parler, le point de Lagrange, justement, Jovixgone. J'explique toujours les propositions et la question une fois que vous avez joué et qu'on a montré les résultats. 26 votes, est-ce que j'attends encore un petit peu? Non, je pense que là, on arrive. Je vois que ça stagne à 26. Allez, on va dire que 26 votes, 27 votes, ce sera la moyenne. C'est parti. Voilà vos résultats. Une grange. Non, ça n'a rien à voir avec Lagrange. Mais peut-être que dans la famille de Monsieur Lagrange, il y avait des gens qui avaient une grange. C'est comme ça les noms de famille à l'époque, hein, que ça marchait. Il y a aussi beaucoup d'aptonymes. Les aptonymes, c'est des noms de famille qui correspondent au métier de la personne. Comme par exemple un boucher qui s'appellerait Monsieur Viande. C'est les choses qui arrivent. Alors, donc, nous avons un maximum de réponses pour la réponse 4. Bravo aux 14 personnes qui ont trouvé effectivement cette bonne réponse. J'efface le résultat, voilà. Et donc, effectivement, c'est une station qui sera en orbite autour de la Lune avec pour objectif de pouvoir poser des expériences habitées ou non sur la Lune et de faire des expériences en orbite autour de la Lune. C'est l'étape d'après la station ISS, puisque nécessairement, bah, c'est plus loin. Il faut 2-3 jours pour y aller et bah, c'est un peu plus difficile que d'être autour de la Terre où on peut envoyer des choses un peu quand on veut, quoi. Thomas Pesquet a mis 23 heures à atteindre l'ISS, la dernière fois, son dernier décollage. Et c'est aussi plus facile que de faire une station autour de Mars, donc c'est un peu l'étape intermédiaire. On m'a posé une question sur les points de Lagrange. Les points de Lagrange, c'est tout simplement les points où la gravité entre la Terre et la Lune se compense. Il y a divers points. La gravité, c'est les gravités entre deux corps ou trois corps avec le Soleil en plus, c'est très compliqué les calculs à faire, mais on trouve qu'il y a plusieurs points comme ça qui sont autour de la Terre et la Lune, qui sont des points où la gravité se compense, ce qui fait qu'on peut envoyer par exemple un satellite à cet endroit-là, qui va rester à cet endroit-là, je vais tourner un petit peu autour de ce point. Ça peut par exemple être utile pour un télescope spatial pour ne pas voir la Terre par exemple. Il y a un des points de Lagrange de la Terre, alors c'est entre le Soleil et la Terre, celui-là, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre et donc qui permet d'avoir un télescope qui ne voit pas la Terre, c'est assez pratique. Voilà. C'est Monsieur Lagrange qui a défini ces points, oui, tout à fait. Tout à fait. Et les retours d'urgence, c'est plus compliqué également, ouais. Non, Hubble n'est pas au point de Lagrange. Non, non. Mais il y a d'autres, on verra après. Garde tes questions sur les télescopes spatiaux parce qu'il y aura une manche dessus. On en parlera après de la position des télescopes spatiaux. Voilà.
Non, non, Hubble, il est assez bas, en fait, hein, Hubble. Oui, le point de Lagrange 2, tout à fait, à Biribiri, c'est là où il y a du monde. Allez, c'est parti, on passe à la question suivante. Hop. Question 1.2, en quelle année est estimé le lancement des premiers modules de la station Lunar Gateway à bord de la fusée Falcon Heavy de SpaceX? Je rappelle, un Falcon Heavy, c'est la version de la fusée de SpaceX classique, hein, la Falcon 9, mais avec trois boosters côte à côte pour emporter des charges plus lourdes ou les emporter plus loin, et donc en accélérant plus. Voici le lien vers le vote. Alors, est-ce que c'est en 2021 que ça va se passer? Est-ce que c'est en 2024? Est-ce que c'est en 2033? Ou est-ce que c'est en 2041? Donc, deux modules qui vont être lancés à bord de cette fusée pour commencer la construction de la station. En quelle année cela va-t-il se faire? J'en profite pour vous dire que la station spatiale chinoise, après les premiers essais Tiangong 1 et Tiangong 2, a commencé à être mise en orbite, donc je disais, avec le module Tianhe, qui était un très gros module. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs à l'intérieur. Il y a beaucoup de place à l'intérieur, je pense que on doit avoir cette impression aussi au début de l'ISS. Vous savez maintenant qu'il y a plein d'ordinateurs partout, de câbles dans tous les sens. Je me demande d'ailleurs comment ils font pour pas se prendre les pieds dedans. Moi j'aurais peur. Mais voilà, c'est le premier module, ce sera une grosse station, un petit peu comme l'ISS. Plus petite je crois, mais quand même assez costaude. La station lunaire, par contre, elle sera pas très grande dans un premier temps. Je sais pas si des agrandissements sont prévus, mais en tout cas. Pour l'instant, elle sera plus petite que l'ISS. Vous n'avez pas le lien. Pourquoi tu n'as pas le lien? Comment ça se fait que tu n'aies pas le lien? Je te le remets comme ça. Est-ce que tu... C'est bon? Tu l'as le lien cette fois-ci? C'est bizarre ça. Hop. Je regarde les résultats. Pour l'instant, on a 26 votes. Est-ce que j'attends que la 27e personne vote? Voilà, je pense que ça devait être Dabi Albério, du coup, qui n'avait pas le lien. Tu n'arrives pas à t'y connecter. Est-ce que si vous êtes sur un téléphone portable... Il est possible que ça bug. En tout cas, comptez vos points quand même, hein, même si vous ne pouvez pas voter. Ça peut être soit votre, soit c'est. Je sais que sur les téléphones portables, ça bug puisque il faut en fait faut switcher entre Twitch et le Stropole et ça se passe pas toujours très bien d'après ce que j'ai compris. Et sinon, ça peut être aussi un problème de navigateur. Mais en tout cas, Sinerta, n'hésite pas à voter. À voter quand même dans ton coin et compter ton point si tu as bon, c'est important. Voilà. Donc, j'ai 28 réponses, c'est parti. 28 réponses et nous avons 22 votes pour la réponse 2. Effectivement, contre toute attente, eh ben, ce projet est quasiment terminé puisque les deux premiers modules vont être lancés en 2024. Je ne vous dis pas encore lesquels puisqu'il y aura une question dessus. Mais 2024, c'est assez rapide parce qu'en fait, ça fait longtemps. Longtemps que la NASA, l'ESA, la Roscosmos, l'agence russe, l'agence japonaise, l'agence canadienne, etc., plein d'agences dans le monde, ça fait très longtemps qu'ils travaillent dessus. Il y a eu différentes versions du projet, mais il est resté cette station orbitale qui commence vraiment à être quasiment finie en fait, hein. Donc il y a les deux premiers modules qui sont en cours de construction qui seront lancés en 2024. C'est bientôt, c'est tout bientôt, voilà. Allez, c'est parti. On va avoir plus de précision, bien sûr, sur cette station. Dans cette manche, il reste 6 questions. Question numéro 1.3. De quel programme de la NASA va faire partie la Lunar Gateway? Est-ce que c'est le programme Apollo? Est-ce que c'est le programme Artemis? Est-ce que c'est les programmes Gemini? Ou est-ce que c'est le programme Mercury? Je vais vous mettre le lien vers la nouvelle question. C'est la question 1.3. La voici. Hop. J'ai trouvé comment on a fait avec le navigateur Chrome sur Tel dans les options sélectionnées version pour ordinateur. Ah oui, ça marche très bien effectivement, Sinerta, tu as raison. Voici donc la nouvelle question. Si vous êtes sur un smartphone, oui, cliquez sur version pour ordinateur et ça marchera un peu mieux, je pense. Il y a encore des sites aujourd'hui qui ne sont pas optimisés pour les téléphones, c'est comme ça. Donc est-ce que c'est le programme Apollo? Est-ce que c'est le programme Artemis? Est-ce que c'est le programme Gemini ou Mercury? Il s'agit de programme habité, hein, bien sûr. Dites-moi si vous connaissez le nom du nouveau programme habité lunaire de la NASA. Ce n'est pas une question très difficile, on commence simple. C'est important. 10, ce n'est pas le programme Freddy, ni le programme Queen d'ailleurs. Merci, le programme Queen, je pense qu'il faut un petit peu le graisser parce que sinon c'est un peu inquiétant. Remarquez, dans l'espace, tous les systèmes sont redondants, donc
S'il y a un programme Queen, on peut avoir un programme secondaire qui prend le relais. Si vous avez vu le live qu'on avait fait sur le jeu Re-Entry, vous savez qu'il y a plein de programmes secondaires pour pallier à ce genre de problème. C'est bien comment j'arrive à faire. J'essaie de vous expliquer des choses intéressantes à partir de jeux de mots que je vois dans le chat. Souvent j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà, celui-ci ça collait bien, mais. Vous m'en verrez désolé si le jeu de mots ne convient pas. Allez, c'est parti pour la réponse. Ni cricket, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je pense que si on voyait un criquet dans la station spatiale, ce serait très embêtant parce que ça voudrait dire qu'il y a une contamination possible. Si un criquet a pu passer, probablement d'autres choses ont pu passer. Vous savez que les astronautes sont en quarantaine pendant une dizaine de jours, enfin une semaine, oui. Ça dépend des missions, je pense, avant de monter dans la fusée, quoi. Pour ne pas emporter des maladies sur place, parce que bah, sur place, on peut pas ouvrir les fenêtres quoi pour aérer, donc c'est voilà, donc c'est pas facile. Donc si jamais je pense qu'on voit une mouche dans la station ou un criquet, je pense qu'on s'inquiétera beaucoup. Voilà. Merci Geronimo pour le compliment, pour les blagues. J'essaie de faire de mon mieux pour vous rendre ce quiz non seulement instructif, mais en plus amusant. Allez, on a 20 votes pour la réponse 2. Et effectivement, il s'agit bien du programme Artemis. Programme Artemis qui succède après beaucoup d'années au programme Apollo, qui était le premier programme de mission lunaire habitée. Avant lui, il y a eu, alors que je me trompe pas, il y a eu Gemini, et ensuite avant Mercury. Et si vous avez suivi nos lives sur Re-Entry, eh bien vous avez vu que la capsule Mercury était un peu plus simple que la capsule Gemini, qui était elle-même un peu plus simple que la capsule Apollo. Et désormais, hein, vous avez vu Thomas Pesquet dans la capsule SpaceX, maintenant ils ont des écrans plats et tout avec écran tactile, il n'y a plus des boutons dans tous les sens, mais ça reste compliqué quand même. Il y a quand même plus d'automatisation qu'avant, mais il y a quand même moyen encore de passer en manuel pour diverses choses. Ils ont même des blobs, tout à fait. Alors, sauf si quelqu'un toque à la porte, comme dans Gravity, tu veux dire Papillon 78? Alors dans Gravity, c'est quoi? C'est George Clooney qui toque à la porte. Comment elle s'appelle l'actrice? Je me souviens plus. Qui lui ouvre? Et donc du coup, bah il y a le vide spatial qui se fait dans la cabine. Alors techniquement, elle peut survivre 15 secondes dans le vide spatial. Je crois que la séquence dure moins de 15 secondes. Mais c'est-à-dire qu'on survit 15, on survit après 15 secondes, mais enfin. Disons que 2 secondes, voire pas du tout, c'est beaucoup mieux parce que, bah, comment vous dire, vous avez votre sang qui va bouillir, la peau est assez élastique pour ne pas exploser, disons que ça va, vous allez gonfler avec tout votre sang qui bout, et du coup ça va pas vous faire exploser, mais ça va faire des lésions dans tous vos organes en fait. Et donc quand on dit qu'il y a 15 secondes avant que ce soit irréversible, bah, voilà, c'est 15 secondes avant qu'il y ait trop de lésions pour pouvoir s'en sortir. Sinon après au bout de 3 minutes, vous tombez dans les pommes par asphyxie. Et bah après, bah là, si on arrive à vous ramener, vous êtes en sale état quand même. Hein. J'avais dit sur un autre live qu'effectivement, il y avait dans 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pareil, il y a une phase comme ça où Dave est dans le vide spatial pendant quelques secondes, je crois que ça fait moins de 15 secondes, donc c'est jouable. Par contre, il est en pleine forme en rentrant, donc ça colle pas trop. Dans un des Star Wars, dans les nouveaux, il y a Leia qui est dans le vide spatial et qui finit par rentrer, mais là, ils ont pensé. C'est un film de fantasy, hein, pourtant, pas vraiment de la vraie SF, de la vraie RDSF. Ils ont pensé au fait qu'elle avait des lésions, donc elle a dû passer un certain temps, même si c'est une Jedi, à se faire soigner. Et dans The Expanse, il y a aussi un personnage qui va se trouver dans le vide spatial et qui va s'en sortir avec un shoot de sang oxygéné, et qui, elle, reste une quinzaine de secondes dans le vide spatial et qui en chie après parce qu'elle a des lésions partout, elle souffre. Donc il y a moyen de faire quelque chose d'assez réaliste. Après, je vous cache pas que si vous êtes 15 secondes dans le vide, je sais pas, même si on vous sauve, je sais pas quelle est votre espérance de vie, mais on essaie d'éviter en général, voilà. Voilà, pour répondre à ta question sur le toc-toc sur la vide, vous voyez, j'arrive à raconter des choses intéressantes à partir de vos jeux de mots. 15 secondes, je pensais que c'était beaucoup plus rapide. Bah après, ça dépend, j'imagine, ça dépend où se font tes lésions, hein. Je pense que si c'est dans le cerveau, je pense que ça doit être moins de 15 secondes, je sais pas. Et par contre, on gèle pas instantanément, puisque la seule façon d'émettre de la chaleur, de perdre de la chaleur, c'est par radiation, donc par rayonnement infrarouge, en fait. Il n'y a pas de conduction, il n'y a pas de matière à toucher dans l'espace, il n'y a pas de convection, il n'y a pas de gaz à déplacer autour de vous. Donc en fait, on se refroidit assez lentement, donc on gèle pas tout de suite, contrairement à ce qu'on croit, et on n'explose pas. Par contre, on se retrouve avec plein de lésions et une grosse asphyxie. Voilà. Jedi. Ça nous arrivera pas, ouf, rassuré.
Oui, mais c'est important, les films et séries SF, pour faire de la vulgarisation, hein, c'est très important, on s'en sert beaucoup dans nos animations, puisque c'est une référence que peuvent avoir le public en général. Et donc, c'est toujours important, la vulgarisation, de raccrocher aux représentations que peuvent avoir les gens. Par exemple, si on veut parler de l'organisation des planètes et des étoiles, des planètes qui tournent autour des étoiles, etc., les étoiles doubles, on peut prendre souvent prendre l'exemple de Tatooine, par exemple. Tatooine dans Star Wars, avec une planète qui tourne autour de deux étoiles. Ça aide comme ça nos publics à se mettre en place dans leur tête les bonnes représentations. Et puis il y a des gens comme Roland Le Houx aussi qui fait de la. Comment dire, un peu comme ce qu'on vient de faire avec le vide, c'est-à-dire, bah, d'ailleurs il l'a fait, hein, c'est-à-dire on prend une œuvre de science-fiction, puis on regarde ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, etc. Donc c'est la SF est un bon outil de vulgarisation, en fait, un bon point de départ. Ouais, les ondes cérébrales, ça doit pas être très réversible. Ça, après, je sais pas, je suis pas neurologue, mais il vaut mieux ne pas en avoir. Je sais pas pour les yeux, tiens, zygomatique, je sais pas du tout. Roland Le Houx saurait certainement. Allez, on passe à la suite. C'est parti, question 1.4. Qui organise ce projet? Donc je rappelle, hein, pas le projet de mettre des gens dans le vide et de voir ce que ça fait. Non, le projet de la NASA, entre autres, de la station lunaire, Lunar Gateway. Qui est-ce qui l'organise avec la NASA? Est-ce que c'est l'Agence spatiale européenne, qu'on appelle l'ESA, la JAXA, l'Agence spatiale japonaise, et la CSA du Canada? Est-ce que c'est plutôt une autre combinaison, l'ESA, la JAXA, la CSA et Roscosmos, l'agence russe? Est-ce que c'est la combinaison suivante, l'ESA, la JAXA, la CSA et la CMS, la Chinese Manned Space de la Chine? Ou est-ce que c'est encore l'ESA, la JAXA, la CSA et l'ISRO de l'Inde? Là, je ne connais pas le sigle. Dites-moi, quelle combinaison de pays accompagne la NASA dans cette entreprise? Voilà. Et je vous donnerai bien sûr une explication de la réponse. En attendant, je vais regarder ce que vous répondez. Hop. Alors, pour l'instant, j'ai 9 votes. J'ai 9 votes, j'attends un petit peu. Ouais, Roland Lou, il fait très bien. Il fait beaucoup de conférences sur la science-fiction, c'est très intéressant. Et bien sûr, c'est différent si on prend du Star Wars qui est de la fantasy, on va dire, de la fantasy spatiale. Ou si on prend Fondation qui est de la hard SF, forcément il n'y a pas le même travail derrière, c'est beaucoup plus long et enrichissant de travailler sur de la vulgarisation à partir de hard SF, puisqu'il y a plus de choses à dire. D'ailleurs, même sur un film comme Seul sur Mars, la NASA a participé au conseil autour de ce film. Dans Interstellar, il y a l'astronome Kip Thorne qui a participé pour la partie modélisation du trou noir, etc. Tandis que pour du Star Wars, c'est plus de la fantasy en fait. Ça reste ce qu'on appelle du space opéra, mais en termes scientifiques, y a la suspension temporaire d'incrédulité, c'est ce qu'on fait avant de rentrer dans un film, elle demande beaucoup plus de, comment dire, de bienveillance, on va dire. Donc c'est plus facile et c'est plus rapide aussi, je pense, à étudier en vulgarisation. Mais comme c'est des références que les gens ont plus facilement en tête, c'est en général un bon point de départ. On s'en sert au Planétarium, par exemple, quand on fait l'atelier, le laboratoire sur la gravité. Moi, j'aime bien expliquer que Dark Vador marche sur les murs parce qu'il marche à la perpendiculaire de ses réacteurs et que normalement, les réacteurs devraient faire en sorte qu'ils seraient plaqués contre bah, le fond du vaisseau. Et donc, son bas devrait devenir le fond du vaisseau et non pas le sol du vaisseau. Donc, en fait, ils marchent tous sur les murs. Et c'est en général quelque chose qui parle dans la tête des gens puisque c'est des choses qu'on voit un petit peu, même si on ne fait pas d'astronomie. De façon professionnelle, voilà. On n'a pas eu Roland Le Houx dans nos lives, c'est vrai, pas encore. Indian Space Research Organization, ISRO. Merci, Dabi Abério, c'est très gentil. Hélène Courtois, on l'a déjà invité. La vidéo apparaîtra sur la chaîne YouTube du Planétarium dans quelques semaines. On vous donnera le lien sur Twitter. Dans The Expanse, ils ont bien fait ça pour le sol du vaisseau. Oui, mais complètement, dans The Expanse, même dans Tintin d'ailleurs, on a marché sur la Lune. Eh bien, les gens sont en apesanteur quand le vaisseau n'accélère plus. Principe d'inertie. Une fois qu'on a accéléré, on a atteint une certaine vitesse, on coupe le moteur, ben on garde cette vitesse ad vitam aeternam. Sauf, bien sûr, si on traverse un nuage qui va nous freiner ou si la gravité nous tire dans une direction ou une autre. En général, on ne peut pas l'éviter. Hein. Le principe d'inertie totale n'existe pas. Mais bref, donc on flotte, on est en chute libre avec le vaisseau. Si on accélère, ben on est plaqué contre le réacteur et on peut marcher dans le vaisseau. Et dans Tintin, c'est bien fait, dans The Expanse, c'est bien fait, dans Seul sur Mars, c'est bien fait, par contre, dans Star Wars, c'est complètement dans les choux. Voilà.
Oui, le vaisseau qui se retourne pour la décélération, très important. Et aussi les petits réacteurs d'appoint qui montrent pour contrôler le vaisseau, etc. Selon ce que disent les gyroscopes à l'intérieur, bah comme le télescope Hubble, hein, il a des petits gyroscopes qui déterminent son orientation. Et puis du coup, bah, il peut, avec ses moteurs d'appoint, ça, se recaler. Ça veut dire aussi qu'un télescope spatial, n'importe quel en fait instrument spatial qui doit s'orienter, s'il a plus de moteur, s'il a plus de réservoir pour ses petits moteurs d'attitude, en fait, de position, eh ben, il peut plus viser. Donc tout télescope spatial, vous allez voir, a une durée limitée, sauf si on peut le ravitailler. Donc c'est aussi un grand défi pour l'avenir du spatial, ça, le ravitaillement en vol. Allez, la réponse, c'était. Alors que je me trompe pas, attendez, parce que j'ai fait une question avec une réponse un petit peu tordue. Voilà, la bonne réponse c'est l'ESA, la JAXA et la CSA. Donc c'est la première réponse qui était bonne. Bravo aux 11 personnes qui ont voté. Alors, tout simplement, l'Inde et la Chine n'ont jamais participé de près ou de loin, je crois pas, à ce projet, tout simplement. Et Roscosmos a quitté le projet. Je ne sais plus trop pour quelle raison, mais c'est un désaccord géopolitique probablement, ou financier. Et Roscosmos a préféré rejoindre la Chine dans son projet de village lunaire, en fait, tout simplement. La Chine voulait faire une base à la surface de la Lune internationale, paraît-il. Donc on verra suite à la suite si ça se révèle exact. Et Roscosmos s'est adjoint du coup à la Chine pour faire cette base à la surface de la Lune. Donc il va y avoir beaucoup de choses pour le spatial habité dans les années 2020 à 2030. Restez informés, il y aura beaucoup de choses, voilà. De toute façon, la Chine, c'est simple, ils sont vraiment en dehors des gros projets. Bah, sauf celui-là, du coup. Ils ont des gros projets en fait qu'ils font d'abord eux-mêmes, comme le village lunaire, pas le visage lunaire, n'importe quoi. Non, ils vont pas tracer un visage sur le village lunaire et la station spatiale chinoise. Et ensuite, une fois que c'est sur les rails, ils proposent la participation d'autres pays. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe, j'ai remarqué pour l'instant sur les projets chinois. Voilà. Ils ont fait le visage martien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de bazar sur la Lune dans pas longtemps. Bon, après, la Lune, c'est grand, hein, donc avant qu'il y ait des embouteillages, je pense qu'on a le temps. Allez, c'est parti. Question 1.5. Oui, on peut voir autant de visages qu'on veut sur la pleine Lune, tout à fait. Arpic, ça dépend de ton cerveau, la pareidolie. Donc ça, c'est l'évolution qui nous l'a donné. La capacité de reconnaître des formes de façon automatique et ta culture. C'est-à-dire que si tu es né dans un pays avec certains animaux dans la culture, bah, tu vas voir certaines formes et pas d'autres. Pour la grande ourse, par exemple, nous on voit une casserole, mais les Grecs voyaient un ours et d'autres civilisations voyaient d'autres choses, toujours avec le même dessin, mais représentant d'autres choses de leur culture. Voilà. Voilà, ils sont à l'origine de leur projet. J'ai réalisé ça hier en voyant une vidéo qui expliquait qu'ils faisaient des moteurs, mais qu'ils ne les utilisaient pas juste pour la revente. Voilà. Pareidolie. Pareidolie. C'est un phénomène cognitif qui consiste à reconnaître automatiquement des formes qu'on a déjà en mémoire dans n'importe quoi, en fait, sur une poubelle, une voiture, dans le ciel, dans les nuages, etc. C'est comme ça que ça s'appelle. Et pourquoi? Bah parce que simplement les animaux, les ancêtres des humains, quelle que soit l'espèce, je ne sais pas quand est-ce que ça a apparu dans l'arbre phylogénique, mais les animaux qui ne voyaient jamais les prédateurs, eh ben, ils se faisaient bouffer, voilà. Et les animaux qui voyaient toujours les prédateurs, même quand c'était en fait finalement juste un buisson, eh ben, ils avaient souvent très peur, mais ils se faisaient jamais manger, voilà, ou très peu manger. Ce qui fait que bah, s'ils se faisaient manger, c'est parce qu'ils couraient pas assez vite, mais pas parce qu'ils n'avaient pas vu le prédateur. Et donc ils ont pu faire des bébés, et donc bah, ça s'est propagé. C'est un trait génétique qui s'est propagé, génétique et comportemental qu'on a gardé ensuite. Voilà. Et donc dans notre cerveau, il y a cette capacité à avoir des formes dans tout et n'importe quoi. C'est bien pour la survie, sauf que dans notre monde connecté avec un peu plus que juste de la chasse et de la cueillette, hein, c'est pourquoi notre cerveau a évolué au départ. Eh ben, ça peut nous jouer beaucoup de tours, notamment bah, les théories du complot qui voient des visages sur Mars. Voilà, je vois quelqu'un qui en parlait, Papillon qui en parlait un peu plus haut. Voilà, bah, par exemple, les visages sur Mars, bah, c'est un petit bug de notre cerveau. Voilà. oui, j'ai pas donné le lien, c'est pour ça. J'ai répondu à une question, j'ai pas donné le lien, désolé. Je vous donne le lien et je vous lis la question. Hop.
Je parle, mais j'oublie de vous donner le lien. Voilà. Alors, question numéro 1.5. Que veut dire espace 6 lunaire? Est-ce que c'est la sphère centrée sur la Terre et limitée par l'orbite de la Lune? Est-ce que c'est la sphère centrée sur la Lune et touchant la Terre, donc l'inverse? Est-ce que c'est l'espace entre la Terre et la Lune en excluant la Terre et la Lune? Ou est-ce que c'est l'espace au-delà de la face cachée de la Lune? Alors, si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit dessin. Et choisissez du coup ce qui vous semble être la bonne réponse, sachant que la station spatiale en question a un rapport avec cet espace 6 lunaire, bien sûr. Allez, je vais cliquer sur l'astropole et j'attends vos réponses. Là, c'est une question de vocabulaire spatial. 6 lunaire, oui, tu peux faire effectivement un dingbat, vous savez, les rébus avec les lettres là. Avec en marquant 6 lunaires, tout à fait. Tout à fait, Jovix Gone. Allez, je vous laisse voter. Alors, si vous ne savez pas, trouvez d'autres mots dans lesquels, d'autres mots qui pourront avoir le préfixe 6, et ça devrait peut-être vous aider à trouver la réponse. Ça devrait peut-être vous aider, même si des fois il y a des faux amis. Alors. J'ai 17 votes pour l'instant, je vais attendre encore un petit peu. Je vais attendre encore un petit peu. On a 64 personnes. N'hésitez pas à venir jouer. Même si vous n'avez pas pris le quiz dès le départ, vous pouvez venir jouer quand même, c'est pas grave. Il suffit de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus du message de JouixGone. Message Stropole, et vous pourrez voter. Le seul qui me vient à l'esprit, c'est les tendances. Ben, c'est cisgenre. Cisgenre, ça veut dire à l'intérieur d'un genre. Transgenre, ça veut dire. Ça veut dire pas dans le bon genre, grosso modo, pour simplifier très fortement. Voilà ce que veut dire 6. 6, c'est en fait, ça veut dire à l'intérieur d'eux, grosso modo. Et trans, c'est au travers d'eux. Ou pas à l'intérieur, quoi. Tout ce qui est pas à l'intérieur, donc au travers et à l'extérieur. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Non, justement, transgenre, ça veut pas dire transformation du genre, ça veut dire vraiment qui n'est pas dans le bon genre. C'est ça que ça veut dire. Donc, du coup, 6 lunaires, vous devriez, avec ce parallèle, trouver ce que ça veut dire. J'imagine. Alors, je vais afficher la réponse du coup, puisque je vois qu'il y a 21 personnes qui ont voté. C'est parti. Hop, on a 21 personnes qui ont voté. J'ai une égalité entre le 1 et la 2. J'ai une égalité entre la réponse 1 et la réponse 2, et c'était la réponse 1 qui était bonne. En fait, 6 lunaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'espace qui est à l'intérieur. 6, à l'intérieur en fait, de l'orbite de la Lune. Voilà, c'est ça l'espace 6 lunaire. Donc la station orbitale donc Lunar Gateway va être entre l'orbite 6 lunaire et enfin, l'espace 6 lunaire pardon et l'espace extérieur au système Terre-Lune puisque il va tourner autour de la Lune. Donc il y a un moment où il sera dans l'espace 6 lunaire et un moment où il sera en dehors. Voilà. Transneptunien, ça veut dire au-delà de l'orbite de Neptune, c'est ça. Trans, c'est à travers ou au-delà. Et 6, c'est à l'intérieur. Voilà. Donc ça veut dire qu'un 6 neptunien, bah, ce serait tout ce qui est dans le système solaire à l'intérieur de l'orbite de Neptune. C'est ça que ça voudrait dire en fait. Et j'ai pas en tête d'autres mots qui commencent par 6. Bon, ciseaux, c'est autre chose, je pense. Si vous connaissez d'autres, n'hésitez pas. Cisjordanie, tout à fait. Cisjordanie, ça doit vouloir dire à l'intérieur de la Jordanie ou un dérivé de ça, je pense. Non, c'est pas la réponse 2, c'est la réponse 1. C'est l'espace centré sur la Terre et délimité par l'orbite de la Lune. La boule, en fait, centrée sur la Terre qui va jusqu'à 384 000 km. Cisalpine, ouais, tout à fait. Et transalpin, du coup, bah, c'est traverser les montagnes ou derrière les montagnes. La tramontane, le vent qui est la tramontane, la transmontane, en fait, c'est le vent qui vient de derrière les montagnes. Voilà, je pense on a plein d'exemples, tout ça, qui pourrait fonctionner. Merci pour ton exemple, Aéris, ça m'a permis d'en donner encore d'autres. Merci beaucoup. Allez, on passe à la suite. Question 1.6, quels seront le périsélène et l'apocélène de la station? Alors attendez, que je vous explique ce que ça veut dire, ce mot étrange qu'on utilise très rarement, mais j'ai vérifié, c'est bien ça qu'il faut dire dans ce cas-là. Le périgée et l'apogée, c'est le périgée, c'est le point le plus proche de la Terre par rapport au Soleil sur son orbite, et l'apogée, c'est le point le plus lointain de la Terre par rapport au Soleil sur son orbite. Le périastre et l'apoastre, c'est l'équivalent pour n'importe quel astre,
et périsélène et aposélène, sélène c'est la Lune, ça veut dire que périsélène c'est le point de l'orbite de la Lune par rapport à la Terre qui est le plus proche de la Terre, et l'aposélène c'est le plus loin de la Terre. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Non, j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi, le périigée et l'apogée c'est le plus loin et le plus près justement de la Terre. N'importe quoi. Et donc le périsélène et l'apocélène, c'est le plus près, le plus loin de la Lune. Si je me mélange les pinceaux, vous n'allez pas vous en sortir. Donc en fait, c'est le point le plus proche de la station par rapport à la Lune, le périsélène, et le point le plus loin de la station par rapport à la Lune, l'apocélène. Voilà, ça y est, c'est bon. Je pense que c'est dans le bon sens. Est-ce que donc la station va orbiter de 200 à 1000 km? Est-ce qu'elle va orbiter de 3000 à 70 000 km, donc très allongée? Est-ce qu'elle va orbiter très près de 100 à 120 km? Parce que vous savez, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc on ne peut pas frotter sur quoi que ce soit pour nous ralentir. Donc on pourrait très bien orbiter à 20 km d'altitude si on le souhaite. On flipperait un petit peu avec les montagnes en dessous quand même, mais bon, c'est possible. Ou alors de 400 km à 10 000 km. Quelle est l'orbite prévue pour cette station? Voilà, et désolé pour le cafouillage sur sur la définition des mots. Ça m'arrive. Mais j'essaie de me rattraper quand ça arrive. C'est important. Allez, je regarde les résultats. On en est à 9 votes pour l'instant. Allez-y. D'accord, merci beaucoup pour les excuses. Hop. Alors, la période orbitale sera de 7 jours. La période orbitale sera de 7 jours. Et cette orbite, donc, que vous ne connaissez pas encore, ou peut-être que vous connaissez, est sélectionnée parce qu'elle présente plusieurs avantages. Alors, c'est une orbite qui est très stable. Il n'y a pas besoin d'accélérer beaucoup ou de ralentir beaucoup pour corriger un petit peu l'orbite. Voilà. C'est l'orbite qui permet à la station d'être en permanence visible depuis la Terre. Donc ça doit vous donner un gros indice normalement pour la réponse. Normalement, ça devrait écarter directement une des réponses quand je vous dis ça. Une orbite qui permet à la station d'être en permanence visible de la Terre. Voilà. On ne voit aucune éclipse du Soleil par la Terre. Donc pour ça, rappelez-vous, il faut que la Terre ait le même diamètre apparent que le Soleil, plus ou moins, si on veut au moins qu'elle soit totale. Donc là, pareil, gros indice. Et enfin, cette orbite comporte quelques éclipses du Soleil par la Lune, bon ça c'est un peu inévitable, mais qui n'excèdent pas 80 minutes. Voilà. Donc une orbite qui ne nécessite pas beaucoup de correction de trajectoire, alors je vous expliquerai pourquoi après. Une orbite qui permet de voir tout le temps la Terre, une orbite qui permet de ne pas avoir d'éclipse de soleil par la Terre et quelques éclipses de soleil par la Lune. Avec ces petites informations, vous devriez pouvoir vous représenter un petit peu mieux les choses. Voilà. Allez. Elle n'est pas facile cette question. J'ai dit, il y a des questions faciles et des questions difficiles. J'en ai fait un peu pour tous les goûts. J'espère, en tout cas. Je vous donne la réponse. C'est parti. Je vois qu'il y a 18 réponses. Allez, c'est parti. Je vais t'expliquer, Joyce Gunn, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez répondu majoritairement la réponse 3, mais ce n'était pas la réponse 3. Pourquoi ce n'est pas la réponse 3? C'est une orbite qu'on a sélectionnée, rappelez-vous, pour ne pas être. Enfin, voir en permanence la Terre. Sauf que si vous êtes à 100 km d'altitude autour de la Lune, il y a un moment donné où la moitié de votre orbite, vous allez voir la Lune comme ça, en gros, et vous ne verrez pas la Terre. Voilà, puisque la Terre, par définition, si on voit toujours la même face de la Lune, la face visible, ça veut dire que depuis la Lune, la Terre ne bouge pas dans le ciel. Forcément, on la voit tourner sur elle-même, mais elle ne bouge pas dans le ciel. Ça veut dire que derrière la Lune, sur la face cachée de la Lune, on ne voit jamais la Terre, puisque la Terre ne la voit jamais. Donc ça veut dire qu'il y a un côté de la Lune où on ne verra jamais la Terre. Et si on est très près de la Lune, ben là, c'est mort. En plus, on la verra pas pendant très longtemps. Donc ça ne peut pas être la réponse 3. Ensuite, j'ai les gens qui ont voté la réponse 4. C'est une bonne idée parce qu'effectivement, si on va assez loin de la Lune et assez près, bah, ça permet un coup de voir les choses près, par exemple faire des atterrissages, remonter, et puis un coup d'être assez loin pour que la Lune ne nous dérange pas trop pour nos observations, que la Terre, on la voit assez longtemps, et que la Terre n'est pas assez grosse dans le ciel pour masquer complètement le Soleil. C'est pas mal, mais c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, il fallait exagérer un petit peu plus votre réponse, c'était la réponse 2. On va avoir une station qui va aller de 3000 km à 70 000 km. Donc, ça fait une orbite très allongée, ce qui fait que si vous voulez faire une petite correction de trajectoire, vous n'avez pas besoin d'accélérer beaucoup. Si vous accélérez un tout petit peu, ça va faire une petite correction de trajectoire qui va prendre un certain temps à se mettre en place. Tandis que si vous êtes à 100 km, eh ben, si vous accélérez un tout petit coup, ça ne va pas changer grand-chose parce que à cette distance de la Lune, il faut aller très 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 vite pour rester en orbite.
Et il faut vraiment changer de beaucoup sa vitesse pour que ça fasse un changement significatif de votre orbite. Plus votre orbite va être large, plus vous pouvez prendre votre temps comme ça, par petits à-coups, pour changer d'orbite tout doucement. 70 000 km, ça veut dire que bah, la Terre sera quasiment toujours visible. Ça veut dire que la Terre a un petit diamètre apparent, parce qu'on est loin de la Terre, et ça veut dire qu'elle masquera presque jamais le Soleil, en tout cas pas complètement, et que la Lune également est loin aussi, et que s'il y a une éclipse de Soleil par la Lune, eh ben, ça ne durera pas très longtemps, puisque la Lune n'aura pas un diamètre apparent aussi grand que si on était à 100 km d'altitude. Voilà. Ah non, c'est pas toujours un ou deux les réponses. Non, 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 non. Non, non, non. D'ailleurs, vous savez que quand on demande aux gens de poser des choses aléatoirement, de donner des chiffres aléatoirement, déjà, ils vont avoir tendance à choisir entre 1 et 10, à choisir 3 ou 7, parce que le 1 et le 10 va leur sembler pas assez aléatoire, et le 5 non plus, parce que c'est la moitié. Du coup, les gens, si vous donnez à n'importe qui, donne-moi un chiffre entre 1 et 10, eh ben, si vous prenez, je sais pas, si vous faites ça à 100 personnes, eh ben, vous allez vous rendre compte que la majorité des gens vont dire 3 ou 7. Pour cette raison. Et si on fait des lancers de dés, si on fait 100 lancers de dés à 6 faces, et que on tombe par exemple 4 fois de suite sur un 6, eh ben, les humains vont vous dire, ah, c'est pas assez aléatoire. Alors que si, c'est tout à fait possible qu'il y ait 4 6 d'affilée. Mais pour le cerveau humain, ça semble pas assez aléatoire. Et donc souvent, dans les logiciels, on ajoute une fonction qui va rendre la chose moins aléatoire pour interdire au logiciel de faire plusieurs fois 6 d'affilée. Ça veut dire qu'on va remettre un peu d'ordre pour que ça semble plus aléatoire au cerveau humain. Donc voilà, faites attention, votre cerveau, il y a des bugs comme ça, il n'y a pas que la pareidolie, hein, il y a aussi ce genre de choses. Voilà. C'est une grosse fourchette. 3 000 à 70 000, oui, c'est des chiffres qui ont été décidés pour toutes les raisons que je vous ai données. Hein. Voilà. Moins aléatoire, plus diversifié. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est plus du vrai aléatoire et ça peut totalement fausser des mesures. Et donc, en science, il faut faire très attention à différencier la vraie détection extraordinaire du simple fait du hasard qui, de temps en temps, fait 4-6 d'affilée. Voilà. Sans avoir envie de retrier après. Voilà. C'est à ça que servent les méthodes, que servent les différentes méthodes scientifiques. Ça dépend des domaines. Il y a des petites variations. C'est ça, à éviter les biais, à essayer d'écarter un petit peu les erreurs du cerveau ou de l'instrument. Parce qu'on est des humains. Voilà. Allez, on passe à la suite. Question 1.6, c'est bon. Question 1.7. Comment s'appelle le lanceur lourd? Ça, c'est facile, vous allez voir. Développé par la NASA, qui participera à ce projet. Est-ce que c'est le Space Lunar System? Est-ce que c'est le Space Launch System? Est-ce que c'est le Super Loaded System? Ou est-ce que c'est le Super Launch System? Voilà, il y a forcément système dans le nom. C'est à vous de choisir. Ah oui, j'ai fait des blagues des fois dans les questions et j'ai fait des petits pièges aussi. Sinon, c'est pas rigolo. Allez, j'ai deux votes pour l'instant. Allez-y. Allez-y, je vous écoute. Quatre votes pour l'instant. Donc c'est un lanceur avec un gros booster orange au milieu et deux boosters blancs sur les côtés qui doit avoir trois étages, je pense, comme la Saturne 5. À vérifier. Attendez, je vais vérifier d'ailleurs pendant que vous votez. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors attendez, je vais pas vous dire ce que c'est. Je vous laisse le temps de chercher. Hop, voilà, comme ça j'ai devant moi les caractéristiques techniques. Tu dirais SLS, oui, ça va, ça c'est bon. Voilà, deux étages. 8,4 mètres de diamètre, de 98 à 111 mètres de haut selon la coiffe et donc selon la charge utile. Masse au décollage entre 2,6 et 2600 et 2900 tonnes. Et sachant qu'en général, 90% au moins de la masse est occupée par le carburant. Je sais pas combien exactement sur cette fusée-là, j'essaie de trouver l'information. Mais en général, le métal ne pèse pas bien lourd dans les fusées. Est-ce que j'ai ça? Non, j'arrive pas à trouver l'information rapidement comme ça. Ah si. La masse à vide du premier étage est de 85,4 tonnes avec le plein d'ergol de 979 tonnes. Voilà. Les deux réservoirs de l'étage peuvent contenir 2763 mètres cubes d'hydrogène et d'oxygène liquide. Voilà, ça fait ça, c'est juste le premier étage. Voilà.
C'est pas très haut comparé au Starship. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un réservoir central et deux boosters, c'est ça. Allez, ça donne quoi? Les résultats. Alors, j'ai 68% des gens qui ont voté la réponse 2. La réponse 2 qui était, je vous le rappelle, le Space Launch System. Et c'est bien ça, c'est le Space Launch System. Voilà, alors, bon, avant, il y avait des noms de fusées un petit peu plus exotiques, comme Saturn V, Ariane, etc. Ils ont été fonctionnels. Fonctionnels, Space Launch System, voilà. je vais essayer de vous trouver une photo. Attendez, parce qu'il s'est quand même passé un truc pour la Space Launch System aujourd'hui. Je vais vous afficher l'image. Si je retourne sur le compte Twitter de la NASA, j'ai vu passer ça aujourd'hui. Alors, où est-ce que c'est? Je n'ai pas rêvé quand même. Y a justement le premier étage du booster central qui a terminé ses tests statiques, où on allume le moteur pour voir ce que ça donne, entre autres, et qui est en ce moment même transporté pour aller dans le bâtiment de verticalité, là où on assemble tous les éléments. Si je tape NASA SLS, est-ce que je vais trouver l'image? Test réussi pour le SLS. Voilà. Ah! Ah, je sais pas si. Je veux fermer ça. Puis-je fermer ça? Voilà, je voulais fermer ça. Voilà. Hop. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le genre de test qu'on fait. Bon, il y a une publicité en attendant, comme d'habitude. Encore 13 secondes avant que je puisse vous montrer la petite vidéo. Est-ce que je peux mettre en grand aussi, s'il vous plaît? Allez. Voilà. Alors, par contre, j'ai une deuxième pub qui s'affiche en même temps. Ça va être compliqué. C'est pas grave, je vais vous mettre. Je vais vous mettre la chose sans le son, c'est plus simple. Navigateur, oui, je vais vous mettre. Alors attendez, c'est lequel? Non, c'est pas ça que je veux. C'est compliqué, j'ai des pubs qui passent dans mon casque en plus. Ah, c'est compliqué. Voilà, hop. Voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de test que l'on fait. Pour les boosters de fusée, en fait, voilà, on installe l'étage sur un pas de tir où on bloque en fait la fusée pour éviter qu'elle s'en aille du coup, et on teste les moteurs. Alors souvent ça explose et les gens disent oh là là, ils ont encore fait péter une fusée, notamment SpaceX. Mais non, en fait, c'est normal, c'est normal. Si vous avez suivi les lives qu'on avait fait sur Mars Horizon, le jeu, eh bien sachez que parfois on fait exprès de faire exploser les fusées. Prototype, puisque par exemple on va remplir les réservoirs au maximum de sa capacité pour voir jusqu'où on peut aller avant que ça explose. Ça permet de donner les marges de fonctionnement des fusées, savoir si jamais on a besoin de faire un truc un petit peu qui sort de la norme, savoir à combien on est de l'explosion quoi. Et pour ça il faut d'abord la faire exploser une fois pour être sûr qu'on sait bien jusqu'où on peut aller. Pareil pour les moteurs, qu'on puisse savoir jusqu'à quelle température peuvent monter, si jamais il y a un souci, qu'on se dit ok on a encore de la marge ou pas. Voilà, c'est important de tester ça, et puis bien sûr de voir si ça marche tout court. Et j'ai envie de dire, une fusée qui a comme ça un test qui marche du premier coup, c'est un peu inquiétant. C'est le biais du survivant, un autre biais du cerveau, parce que bah, du coup, eh ben, on ne sait pas si ça a tout bien marché parce qu'on a tout bien fait, ou si juste on a eu du bol et il y a un truc qui s'est enclenché comme il faut alors qu'il n'aurait pas dû, et ça aurait dû péter. Voilà. Les avions de la Seconde Guerre mondiale, les avions anglais, ils revenaient avec des trous partout. Attendez, ça fait pas ce que je veux. Voilà. Il revenait avec des trous partout. Et j'arrive pas à effacer mon. Ah, ça y est, capture. Il revenait avec des trous partout et on aurait pu se dire, bah tiens, on va améliorer les zones où il y a des trous. Mais non, c'est une très mauvaise idée parce que s'ils reviennent avec des trous, par exemple, sur les ailes, eh bien, c'est que les ailes n'étaient pas cruciales pour que l'avion revienne en un seul morceau après qu'on lui ait tiré dessus. Et en fait, tous les autres avions qui sont pas revenus ont eu des trous ailleurs. Là, on ne peut pas les voir puisqu'ils sont pas revenus. Voilà, donc là, c'est pareil. Si un avion revient du premier coup, bah, ça peut être embêtant puisqu'on ne sait pas ce qui va pas. Voilà, donc
Voilà, le premier test a échoué. Oui, bah justement, bah c'est ça. Du coup, ça leur a permis d'apprendre des choses. Et dans Mars Horizon, je me souviens, quand on faisait des tests et que ça foirait, on gagnait plus d'expérience dans le jeu que quand on y arrivait du premier coup. Parce que du coup, on pouvait voir vraiment ce qui marchait pas. Voilà, c'était un petit peu compliqué. C'est pareil pour moi, il y en a qui ont essayé et j'ai explosé. Du coup, ils connaissent la marge de sécurité respectée. Exactement. Un autre exemple du biais du survivant, c'est de croire que il faut absolument être motivé et sérieux pour monter au sommet de l'Everest. Ben non, il y a plein de cadavres autour du sommet de l'Everest, de gens qui étaient très motivés et très sérieux, mais qui ont eu un problème. Voilà. Ceux qui ont réussi, ben, ils étaient très motivés et très sérieux, et aussi ils ont eu du bol. Parce qu'ils n'ont pas eu le coup de blizzard au bon moment, parce qu'ils n'ont pas glissé sur un caillou par inadvertance, etc. Allez, on perd un petit peu de temps, je passe à la suite. Question 1.8, quels sont les deux premiers modules lancés? Donc je vous disais en 2024 par la fusée Falcon Heavy. Est-ce que c'est un laboratoire et un module de propulsion? Est-ce que c'est une baie panoramique et un habitat? Est-ce que c'est un habitat et un module de propulsion? Ou est-ce que c'est un nœud, vous savez, là où on accroche les trucs ensemble, et un habitat? Je vous parle des nœuds, hein, parce que le premier module de la Station Spatiale Internationale, Zarya, je crois que c'était un nœud justement, sur lequel se sont accrochées d'autres choses. Mais si, elle a compris. Dabi Albériot a parfaitement compris. Hein. Ah, tu veux dire, moi, j'ai pas compris ce que la personne a dit. Ben si, tout à fait. Il y en a qui ont essayé, j'ai explosé. Attends, il y en a qui ont essayé et j'ai explosé. Je comprends pas, c'est toi qui as explosé? J'ai pas compris. J'ai pas compris la blague, désolé. Allez, je regarde les résultats. Hop. Alors, pour l'instant, j'ai que 7 votes, donc j'attends encore un petit peu. Je n'ai que 7 votes. Allez-y. Alors, ça donne quoi les votes? J'ai 14 votes, 15 votes, j'attends encore quelques secondes et j'affiche. C'était très bizarre, j'avais quand même deux pubs en même temps dans mon casque, je ne comprenais pas ce qui se passait, je vous ai pas mis le son, mais c'était compliqué. À bientôt, Adji 2010. Alors c'est vrai qu'on a envie de répondre au pif parce que tout peut se tenir. Après, dites-vous que c'est une station qui va se trouver en orbite autour de la Lune, donc il faut quand même y aller. Et je doute qu'avec une baie panoramique, on puisse aller très loin. Voilà, petit indice. T'as choisi par élimination, mais c'est parfaitement ça qu'il fallait faire. Allez, je montre les résultats. C'est parti. Hop. Vous êtes 9 à avoir voté pour la réponse 4. Et la réponse 4 était un nœud et un habitat. Mais non. La réponse, c'était un habitat et un module de propulsion. C'est en fait la priorité si on fait par élimination. Un laboratoire, bon, ce serait cool d'en avoir un. Mais si on a juste un labo et un module de propulsion, alors certes on peut déplacer la station, mais on peut pas y dormir, donc ça c'est pas cool. Ensuite, une baie panoramique et un habitat, c'est super pour un hôtel. Par contre, on peut pas amener la station sur place. Donc ça va pas. Un nœud et un habitat, c'est très bien aussi, mais il n'y a pas de propulsion, donc on peut pas amener la station. Donc en fait, la réponse c'était un habitat, un module de propulsion, c'est logique de commencer par ça, c'est-à-dire un module où on amène la station. Et ensuite, et qui va fournir de l'énergie à un habitat pour les premières missions habitées, pour montrer que ça fonctionne. Et ensuite, j'imagine qu'on amènera le nœud et les laboratoires, etc., pour continuer. Puisque sur l'habitat et sur le module de propulsion, il y a quand même un endroit où accoster pour pouvoir au moins même accrocher un nœud dessus. Donc un nœud, c'est bien, il y a plein de sas partout. Mais là, il y a quand même un ou deux sas déjà sur l'habitat et le module de propulsion. Donc ça suffit pour commencer. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'ISS, on a commencé par Zarya, un module russe avec un nœud. Il devait y avoir un habitat avec aussi. Mais avouez que mettre une station spatiale en orbite à 400 km d'altitude, il n'y a pas forcément besoin d'un module de propulsion puisque c'est la fusée qui s'en charge. Là, la fusée elle va mettre la station sur une trajectoire qui va vers la Lune. Mais après, la fusée, elle n'est plus là, quoi. Il faut se démerder sans la fusée. Et donc c'est pour ça qu'il faut un étage de propulsion.
Un module de propulsion. Voilà. Bah comme d'ailleurs comme sur les missions Apollo, il y a le module de service avec le moteur et la capsule Apollo et le module de descente et de remontée. Voilà. On est obligé d'avoir quelque chose comme ça pour s'injecter sur la bonne orbite. Allez, c'est parti. On passe à la dernière question de. Ah mais c'est déjà la dernière question. Mais oui, c'est déjà la dernière question. Combien vous avez sur 8, s'il vous plaît, dites-moi. Dites-moi combien vous avez sur 8. On a fini la première manche, tout à fait. Donnez-moi votre score sur 8 pendant que j'affiche la manche numéro 2, s'il vous plaît. Hop, 1 pour Zygomatix. Tu vas te rattraper, t'inquiète pas. Alors, on a 6 sur 8, 7 sur 8. Image numérique d'Abby Biro, 4 sur 8 pour APX6. Noé Julien, 4, c'est très bien déjà 4. Hein. 4, ça veut dire que, grosso modo. Bah, t'as la moitié des réponses, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as apprises et des choses que tu savais déjà. Donc c'est. En fait, c'est tout bénéfice pour vous, parce que vous avez appris des choses. Ceux qui ont 6 sur 8 ou 16 sur 8, en fait, ils savaient déjà. Ils essaient juste de pas tomber dans les pièges. Mais si vous avez 4 sur 8, ça veut dire que vous avez appris des choses. Et ça, c'est bien. Bah, c'est pas grave si tu oublies de compter, Sinerta. L'important, c'est surtout de passer un bon moment et d'apprendre des choses, hein, surtout. Voilà. On n'est pas là non plus pour faire de la compétition. Le quiz est un prétexte. Le quiz est un prétexte pour apprendre des choses. Allez, si vous êtes prête, bah 4 sur 8, c'est bien, Tamnosy. C'est-à-dire qu'il y a 4 choses que tu savais et 4 choses que tu as apprises. C'est parfait. C'est parfait. C'est la meilleure balance bénéfice-risque. Géronimo. Ah, ça veut dire que soit tu savais déjà tout et tu es tombé dans deux pièges. Soit il y avait deux choses que tu savais pas. Tu es tombé dans le piège russe. C'est vrai qu'en plus, David Rios, ça fait pas longtemps que Roscosmos a décidé de quitter la maison. Ça fait pas longtemps. Ça fait quelques mois seulement, je crois que c'était l'année dernière, où ils ont décidé de quitter le projet. Je faisais à manger en même temps, je crois, 2 sur 8. Ah bah voilà, c'est pour ça. Un peu plus de la moitié, je suis contente car je me rends compte que tous les efforts que j'ai faits pour comprendre et mémoriser tout ça n'ont pas servi à rien, j'ai pas tout oublié ou mélangé. Ouais, et tu as eu un très bon réflexe de faire par élimination tout à l'heure sur les modules. Ce dont je me rends compte pour les études de sciences que j'ai pu faire et même que d'autres collègues ont pu faire, bah c'est en fait que souvent on ne retient pas les connaissances pures, mais on retient la méthode d'apprentissage qui permet de retrouver les connaissances. Et c'est comme ça qu'on, selon moi, c'est comme ça qu'on sort du syndrome de l'imposteur. Et j'ai l'impression que c'est un peu partagé par tous les médiateurs et médiatrices qu'on côtoie ici au planétarium et ailleurs. Et donc, c'est très bien ce que tu dis, Sinata, ça veut dire que tu as appris à trouver les réponses, en fait. Et c'est ça qui est plus important, apprendre à apprendre. Voilà. Bonne soirée, Géronimo. Allez, on passe à la manche numéro 2, Saturne. C'est parti. Première question. Quel est environ le diamètre à l'équateur de Saturne? Pourquoi à l'équateur? Eh bien, tout simplement parce que comme Saturne est une planète gazeuse, eh bien, elle va s'aplatir en tournant. La Terre, elle s'aplatit un petit peu en tournant, mais pas beaucoup parce que c'est quand même des roches plus ou moins solides à la surface et plus ou moins visqueuses dans le manteau. Mais il n'y a pas vraiment de rotation différentielle, c'est-à-dire de rotation qui vont à différentes vitesses à l'intérieur et à l'extérieur. Sauf bien sûr le noyau liquide de la Terre qui, du coup, est liquide. Par contre, pour Saturne, on est sur une planète gazeuse avec à l'intérieur des choses plus ou moins liquides, dans des états un petit peu dégénérés de matière. Et bah du coup, il va y avoir un aplatissement de la planète. Il y a par exemple des étoiles qui tournent tellement vite sur elles-mêmes, qui sont faites de plasma, de gaz et de plasma, qu'elles ont carrément la forme de ballon de rugby. Voilà. Je pense notamment à, je crois que c'est Vega qui est dans ce cas-là, une étoile de la constellation de la Lyre qui est utilisée pour référence en termes de limite apparente. Et voici le lien, oui, je vois qu'on me demande le lien. Et donc voilà, donc Saturne est aplati à ses pôles et on prend en général comme diamètre son diamètre du coup à l'équateur. Comme référence. Fallait bien choisir. On peut utiliser aussi le rayon médian, mais bon, c'est pas très pratique. Ça tourne pas rond, tout à fait, ça ne tourne pas rond, F5PBG. Alors, est-ce que c'est 120 540 km? Est-ce que c'est 142 980 km? Est-ce que c'est 49 530 km? Ou est-ce que c'est 51 120 km? Et toutes ces réponses correspondent à une planète. Je ne peux pas répondre, j'ai une dyslexie des chiffres. D'accord. Alors par élimination, tu peux peut-être t'en sortir. Si tu compares uniquement la grandeur,
du nombre, tu la portes dans ça. Salut Destez, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. J'ai mis le sondage, c'est parfait. Je regarde les résultats. Alors, on a 17 votes pour l'instant. On a un vote majoritaire qui se dessine. C'est la plus belle planète du système solaire. Alors, donc, toi, tu es Team Saturne. Je vois que sur Twitter, il y a souvent des combats entre Team Saturne et Team Jupiter. C'est vous qui décidez. Au planétarium, on les aime toutes. On les aime toutes, même celles qui sont plus des planètes. Et même celles qui ne sont pas dans le système solaire d'ailleurs. On n'a pas le droit de choisir en fait. On a un planétarium, c'est comme ça. C'est les visiteurs qui choisissent. Alors justement, je sais qu'il y a des gens qui sont dyslexiques. Moi, j'ai essayé de regrouper les chiffres par trois, justement, pour que ce soit plus facile à lire. Dites-moi si ça aide ou pas. Toi, c'est la Team Terre. C'est vrai qu'elle est belle. Allez. D'ailleurs, on va avoir bientôt une exposition sur la Terre l'année prochaine, hein, au planétarium. Quand ce sera réouvert. Donc, restez informés par rapport à ça. C'est parti! Ah, tu perds la connexion de chat à chaque vote. Peut-être si tu te mets en mode. C'était quoi? C'était. En mode. Vu depuis un ordinateur, je crois qu'il y a un truc à cocher sur ton navigateur de téléphone pour faire ça, Erika 76 600. C'est un problème de téléphone. Donc, c'était bien la réponse 1, c'était 120 000 et quelques kilomètres. 120 000 kilomètres, et bien sûr, dans toutes les autres réponses correspondaient à des vraies réponses. La réponse 2, c'était Jupiter, 142 000 kilomètres, en gros, 143 000 kilomètres, pour arrondir. La réponse 3, c'était Neptune, et la réponse 4, c'était Uranus. Voilà. Petit moyen mnémotechnique facile, grosso modo, la Terre, c'est 12 700 kilomètres de diamètre. Et on a à peu près Jupiter qui est 11 fois le diamètre de la Terre et le Soleil qui est 10 fois le diamètre de Jupiter. Le Soleil c'est 1 400 000 km de diamètre, ça veut dire que la Terre c'est un centième, le diamètre de la Terre c'est un centième du diamètre du Soleil. Voilà un petit moyen mnémotechnique. Dans le Soleil, dans le diamètre du Soleil on peut aligner 10 Jupiter et dans le diamètre de Jupiter on peut aligner en gros 10 Terres. Voilà. C'est un moyen assez simple de se représenter la taille des choses sans aller dans les détails des chiffres. En astronomie, de toute façon, en général, tant qu'on ne veut pas faire une mesure précise de quelque chose, un arrondi suffit puisque les nombres sont tellement grands qu'on se contente d'ordre de grandeur bien souvent. Voilà. Voilà, donc merci Shinerta d'aider Erika 76 600. On passe à la suite. Question 2.2. Quel astronome a vu des oreilles de part et d'autre de Saturne? Je mets oreille entre guillemets parce que c'est une façon de parler, mais c'est également sa façon de parler, c'est une citation. Est-ce que c'est Johannes Kepler? Est-ce que c'est Galilée? Est-ce que c'est Nicolas Copernic? Ou est-ce que c'est Percival Lowell? Question d'histoire de l'astronomie rigolote. Si vous ne saviez pas, ben vous pourrez raconter ça dans vos repas de famille. Allez-y, à vous de voter. Quel astronome a vu des oreilles de part et d'autre de Saturne? Il y a pas mal d'astronomes dans le passé qui ont vu des choses qui n'existent pas, à cause de la pareidolie, souvenez-vous, mais aussi à cause de leur instrument. Et oui! Et ça a été démenti après. Et quand on est scientifique, normalement, on devrait se dire, oh là, attention, c'est quand même bizarre d'avoir des oreilles autour de Saturne. Je vais demander à mes collègues s'il n'y a pas un truc qui va pas quelque part. C'est le réflexe que devrait avoir tout scientifique, mais les scientifiques sont des humains et parfois ils ne l'ont pas. Parfois ils ne l'ont pas eu dans le passé et parfois ils ne l'ont pas dans le présent. C'est pour ça que des fois vous avez des scientifiques tout seuls qui soutiennent mordicus une chose qui en fait a été démontée par tout le monde. Parce que ce sont des humains. Et donc, même quand c'est un scientifique qui parle, il faut avoir un esprit critique et comparer les sources. Le consensus scientifique, c'est toujours plus solide qu'un scientifique tout seul. Alors, je pense que vous avez trouvé la réponse. On a bien vu des yeux, une bouche, un nez à la Lune. Il y en a qui voient un lapin sur la Lune aussi. Hein. Selon les cultures, la pareidolie se fait différemment, puisque la pareidolie, c'est le fait de reconnaître une forme. Mais si dans ta culture, tu as plus tendance à voir des lapins que des humains, bah, tu auras plus tendance à reconnaître un lapin un peu difforme qu'un humain un peu difforme sur la Lune. Allez, c'est parti, j'affiche le Stropole. Je vois que la réponse 2 est majoritaire avec 7 votes, 44%. On efface le Stropole. Et effectivement, c'était bien Galilée. Galilée avec sa petite lunette de Galilée. Donc, alors je vais essayer de vous trouver l'image. Je pense que ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux. Attendez, je vous trouve ça. Galilée, oreille, Saturne. Est-ce que je peux avoir l'image? Non mais je veux le dessin de Galilée moi.
Voilà, c'est ça que je voulais. Afficher l'image. Est-ce que je peux afficher l'image ou pas? Ouvrir l'image dans un onglet. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop, et je vous affiche ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, avec sa lunette, il a pu voir deux grosses lunes, en fait, de chaque côté de Saturne, qu'il a appelées, ne sachant pas ce que c'était, les oreilles de Saturne. Et il s'est dit, mais c'est quand même bizarre, parce qu'elles ne se comportent pas normalement. Regardez, elles changent de forme au fil du temps, à mesure que Saturne tourne autour du Soleil. Et donc, comme son axe est incliné par rapport à son plan orbital, eh bien, elle ne nous montre pas tout à fait la même orientation selon l'année saturnienne. On verra combien de temps ça dure après une année saturnienne. Et donc, du coup, ces deux oreilles, en fait, ces deux lunes bizarres, changeaient de forme en s'aplatissant au fur et à mesure. Et en fait, c'est simplement que sa lunette n'était pas assez, n'avait pas un diamètre d'ouverture assez large pour avoir une assez bonne résolution. C'est ça qui fait la résolution d'un instrument d'astronomie. Et même de l'œil, hein, la pupille, pour pouvoir avoir suffisamment de détails, hein, des angles, comment dire, des séparations suffisamment grandes entre les différents petits détails pour se rendre compte que c'était pas des oreilles, mais un anneau qu'on voyait sous différentes orientations, un peu comme si vous regardez un cerceau avec avec des larmes dans les yeux. Vous allez voir tous les lampadaires qui vont faire des taches dans tous les sens et le cerceau qui va devenir quand il est presque orienté à l'horizontale face à vous, vous avez simplement deux boules, les deux côtés du cerceau qui se. Comment dire? Avec la partie arrière du cerceau et avant du cerceau qui va se confondre en une espèce de patate difforme. Les myopes aussi savent de quoi je parle. Voilà. Il est arrivé à un grossissement de 20 fois, c'est possible quand même. Ouais, il les a vus bouger, ouais, tout à fait. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire des oreilles de Saturne. Donc c'était bien Galilée. Alors j'ai mis d'autres personnes dans les réponses. On a par exemple bon, Kepler, il a fait autre chose. Lui, il a regardé les planètes se déplacer, et a déduit des lois de déplacement des planètes qui nous servent encore aujourd'hui hein, pour les calculs, qu'on a affinés depuis, mais qui nous servent encore aujourd'hui dans le principe. Nicolas Copernic, c'est celui qui a démontré que, en tout cas, celui qu'on a retenu, parce que sûrement plein d'autres l'ont fait, que la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Et Percival Lowell, lui, il a eu d'autres problèmes de ce genre-là. Par exemple, il a vu des canaux sur Mars à cause de son instrument. Et il a vu également des perturbations dans l'orbite de Neptune, en croyant que c'était dû à une neuvième planète très massive. Qu'il a demandé, qu'il a cherché en fait, et donc il avait donné la coordonnée à ses collègues et tout ça. Après sa mort, un de ses successeurs, Clyde Tombaugh, un étudiant de là où il travaillait, a trouvé Pluton à cet endroit, mais manque de bol, Pluton n'avait pas la bonne masse. Et en fait, il s'avère simplement que Percival Lowell, il a cru que c'était dû à une neuvième planète, les perturbations sur l'orbite de Neptune, mais en fait, c'était dû à Uranus, tout simplement. Voilà. Donc, comme ça, il y a des choses. Et puis, il y a encore d'autres astronomes récemment qui ont observé le ciel en micro-ondes et qui ont vu une source intermittente très bizarre, très précise, avec une période très précise, qui en fait était le micro-ondes de la salle de café d'en dessous, qui était allumé tous les jours à la même heure. Voilà. Donc, quand on fait de la science en astronomie, il faut faire attention à ce que peut nous dire notre instrument s'il n'est pas parfaitement bien réglé. Voilà. Mettez sur Astrum, c'est un projet disponible sur Boink. Je ne vois pas de quoi tu parles, donc ça doit être un autre projet qui peut-être porte le même nom, Mzalboul. C'est tout à fait possible qu'un autre projet porte le même nom. Ouais, Galilée est tombé sur l'axe le plus perpendiculaire. Tout à fait, RPX6. C'est à cause de Percival qu'on a encore tendance sur la tendance planète X? Non, là c'est autre chose. La planète X, là c'est parce que les orbites des objets transneptuniens, qui sont au-delà de Neptune, semblent être perturbées par une présence massive. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on reparle de la planète X actuellement. Question 2.3. Connaît-on actuellement, combien connaît-on actuellement de lunes autour de Saturne? Je dis actuellement puisque ça change souvent, vu que les techniques de détection s'améliorent et les grosses lunes, on les a déjà trouvées, mais on commence à avoir des lunes de plus en plus petites. Et où est-ce qu'on en est? Sachant encore une fois que les chiffres que j'ai donnés dans les réponses, 79, 27, 82 ou 14, sont toutes des réponses qui pourraient coller avec d'autres planètes. Voilà. Donc, je vous laisse chercher. Il y a un match entre deux planètes du système solaire pour le nombre de lunes, et vous allez savoir qui gagne à l'heure actuelle, si vous ne le savez pas déjà. Je vous laisse voter. Je vous laisse voter.
Je vois que vous êtes 53 à regarder. N'hésitez pas, si vous ne participez pas au vote, à voter sur un bout de papier de votre côté. Bien sûr. Et même si vous faites la cuisine, vous pouvez jouer. Même si vous ratez des questions, c'est pas grave. Je vois que quelqu'un tout à l'heure faisait la cuisine et avait raté des questions. Ce qui compte, c'est qu'au moins je sois là pour vous expliquer une question. Ce sera déjà quelque chose de gagné pour vous. Le quiz est vraiment un prétexte, hein, je le répète. Un prétexte ludique pour vous apprendre des choses et pour passer un bon moment. Avec le planétarium. Alors, à bientôt, Dark Gentai, à bientôt. J'espère que tu as passé un bon moment. Allez, je vois qu'il n'y a plus personne qui vote. C'est parti, je vais afficher les résultats. Nous y sommes. Nous avons donc 13 votes en tout. Et on a... Alors, attendez, la réponse 1, la réponse... La réponse 3, on a 3 votes. On a 23% pour la réponse 3. C'était la réponse 3. C'était la réponse 3, 82. 82 satellites. Et oui, Saturne a dépassé Jupiter depuis quelque temps seulement. Saturne a dépassé Jupiter. Je vais vous donner les dates. Saturne a 82 satellites connus depuis 2019. Jupiter a 79 satellites connus depuis 2018. Et oui. Uranus en a 27 depuis 2003 et 14 pour Neptune depuis 2013. Alors c'est connu depuis 2013, hein. Il les avait déjà avant. Les deux réponses auxquelles je pense ne correspondent pas à ce que j'avais appris il y a quelques temps. Ah mais ça bouge vite, hein. Tu vois, ça bouge vite. Et oui, c'était 79 en 2018 pour Jupiter et 82 en 2019 pour Saturne. Si ça se trouve, en ce moment même, la réponse devient fausse parce que des gens ont trouvé 4 satellites de plus pour Jupiter et on ne le sait pas encore puisque il faut le temps que l'article scientifique soit revu par les pairs et publié, ce qui peut prendre quelques années. Donc voilà, c'est comme ça, c'est l'actualité scientifique en astronomie, ça augmente vite. Allez, on passe à la suite. Question 2.4. Comment s'appelle ce sillon vide bien visible dans les anneaux de Saturne? Vous savez, je vais vous remontrer la photo de tout à l'heure. Voilà. Là, on la voit. Là, je sais pas si on voit ma souris. On voit ma souris. Là, ce sillon-là, ici, il y a d'autres sillons, hein, il y en a des plus petits, mais celui-là, le plus gros, il a un nom. Et ce sera à vous de me le trouver. Est-ce que c'est la limite de Roche, avec un grand R, donc Monsieur Roche? Est-ce que c'est de la matière noire, comme dans les galaxies? Est-ce que c'est la division de Cassini ou est-ce que c'est la ceinture de Van Allen? 3 sur 3 pour le moment. Bravo, Erika. Bravo à toi. Alors, est-ce que c'est la limite de Roche? Est-ce que c'est la matière noire? Est-ce que c'est la division de Cassini ou est-ce que c'est la ceinture de Van Allen? Et Van Allen, je crois que c'est aussi un musicien, mais c'est pas la même personne, attention. C'est comme Michael Collins, l'astronaute, c'est pas la même chose que c'est pas la même personne que Phil Collins, le chanteur. Allez, vous devriez arriver à celle-là, je pense. Il y a au moins un élément que vous pouvez retirer. Il y a au moins une blague que vous pouvez déceler, je pense, j'espère. Bah, personne n'est tombé dans le piège, donc ça va. Il y a une réponse qui n'est pas bonne, mais qui peut être en lien avec la bonne réponse, et deux réponses qui sont pas bonnes de toute façon. Allez, il y a 14 votes, 15 votes, 16 votes, 17 votes. Allez, je vais pas tarder à afficher, parce qu'on est un petit peu en retard, 18 votes. Il y a un piège. Ça dépend ce que tu connais de Saturne en fait. Et on a quelqu'un qui va avoir un petit ban. Voilà. Hop. Au revoir, Captain Machin. Hop là. Allez. La réponse, c'était la division de Cassini. Jean-Dominique Cassini qui a découvert cette structure dans les anneaux de Saturne et dont le nom a été donné à la sonde Cassini-Huygens, que vous connaissez peut-être, qui était en orbite autour de Saturne à partir de 2004. Voilà, avec le petit robot Huygens qui est descendu dans l'atmosphère de Titan le 25 décembre 2005, qu'on pouvait suivre à l'époque en direct à la Cité des Sciences, nos partenaires à Paris, Cité des Sciences de l'Industrie. Voilà, je vais vous expliquer bien sûr les autres réponses. Donc la matière noire, non, on sait, hein, la matière noire, elle est invisible. Et grosso modo, pour l'instant, d'après ce qu'on connaît,
Elle n'a pas beaucoup d'effet sur des petites échelles, puisqu'il faut attendre, faut atteindre de grandes échelles pour pouvoir en avoir suffisamment pour que ça ait un effet. Et notamment, bah, ça perturbe la vitesse de rotation des galaxies. Normalement, selon les lois de Kepler, on en parlait tout à l'heure, et ben, plus on est près de la masse autour de laquelle on tourne, plus il faut tourner vite pour rester en orbite, et plus on est loin, moins il faut tourner vite. Donc c'est-à-dire que plus on est loin, en fait, plus notre vitesse va être, plus la vitesse des éléments qui vont tourner autour d'une étoile sera faible. Mais pour une galaxie, on s'est rendu compte que, bah, au bout d'une certaine distance, eh bien, tout a toujours la même vitesse. Et ça contredit du coup les lois de Kepler, et c'est comme ça qu'on a émis l'hypothèse de la matière noire, et qui semble se confirmer par rapport aux différentes observations qu'on a. On est de plus en plus certain que nos lois de la gravitation fonctionnent. Et que c'est plutôt un nouvel objet, un nouvel élément dans l'univers, comme ça, qui est responsable de cette déviation par rapport à la loi. C'est ce que pensent en tout cas les cosmologistes actuellement. Je ne suis pas cosmologiste, je leur fais confiance. Sachez que par le passé, il y a eu on a imaginé comme ça l'éther, par exemple, qui aurait transporté les ondes lumineuses dans l'espace qui en fait n'existent pas. On n'a pas eu besoin de ça finalement pour expliquer le déplacement de la lumière dans l'espace. Mais on aurait pu penser que ce serait un peu le même schéma pour la matière noire, mais apparemment pas. Apparemment, cette fois-ci, c'est vraiment un truc qui existe. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. Et donc, c'était bien la division de Cassini. La ceinture de Van Allen, eh ben, c'est des particules de vent solaire et d'autres particules, d'autres sources qui se trouvent piégées par le champ magnétique de la Terre entre la Terre et la Lune, et qu'il faut traverser pour aller sur la Lune. Et d'ailleurs, c'était un problème au temps des missions Apollo, puisqu'on ne savait pas si on allait la traverser assez vite pour ne pas griller les astronautes. Donc, en pratique, ça s'est bien passé, mais si on y reste trop longtemps, eh bien, c'est pas bon pour nous. La limite de Roche, c'est la limite en deçà de laquelle il ne faut pas, pour une lune, se rapprocher trop de sa planète hôte, car sinon elle se disloque à cause des forces de marée, puisque la face avant de la lune va être plus attirée vers la planète que la face arrière, et donc ça va faire une distorsion, une dislocation, en fait, tout simplement, de la lune. Voilà. Les anneaux de Saturne, pourquoi c'est lié à la division de Cassini? C'est que les anneaux de Saturne, eh bien, actuellement, on ne sait pas s'ils sont jeunes ou s'ils sont anciens. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est le résultat d'une lune qui était trop massive et trop proche et qui a éclaté récemment, ou si c'est le résultat de matériaux qui n'ont pas pu s'accréter, s'agglomérer, on dit accréter en astronomie, à cet endroit-là, car trop proche de Saturne, et donc on n'a pas pu dépasser une certaine taille. Des petits grains qu'il y a dans les anneaux en fait. Sinon, ça éclate. Et en fait, dans les anneaux, il y a des petits satellites qu'on appelle les satellites Berger qui tracent des sillons dans ces anneaux, qui sont pas très gros, parce que s'ils étaient plus gros, ils éclateraient. Et qui font donc ces sillons en poussant un peu les petits grains de matière dans les anneaux. Voilà. La limite de Roche dépend-elle de la composition de l'objet qui s'approche? Alors, je ne crois pas, même si c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais de mémoire, je crois que c'est uniquement la masse qui compte et la distance. À voir, et en tout cas c'est Monsieur Roche, donc là c'est un parfait haptonyme. Je ne sais pas Harpic si la composition entre en jeu. J'imagine qu'avec la densité du matériau, il doit y avoir un effet. Après, comme on parle de lunes, qui sont en général faites de roches ou de glace, j'imagine que la question a été traitée, ça je sais pas. Il faudrait vérifier. C'est une question intéressante en tout cas. Donc c'est Monsieur Roche, un haptonyme, donc il a un nom en rapport avec sa découverte. Et pendant très longtemps j'ai cru d'ailleurs que c'était un petit air, mais non c'est un grand air. Voilà. Donc c'est bien la division de Cassini. C'est parti pour la suite. Laquelle de ces sondes interplanétaires n'a pas visité Saturne? Attention, c'est une question négative. Je précise, hein, parce qu'on peut. C'est le genre de question sur lequel il y a un piège en général. Quelle sonde interplanétaire n'a pas visité Saturne? Quand je dis visiter, c'est survol ou orbite, hein. Est-ce que c'est Voyager 2? Est-ce que c'est New Horizons? Est-ce que c'est Cassini-Huygens? Ou est-ce que c'est Pioneer 11? Oui, Dabi et Berlioz, les quatre planètes gazeuses ont des anneaux, et c'est ceux de Saturne qui sont les plus imposants. La Terre également a eu des anneaux par le passé quand la Lune s'est formée. Voilà, je vous explique pendant que vous pouvez répondre à la question. Quand on imagine, en étudiant les roches de la Terre et la Lune, leur état et leur composition, on sait que maintenant c'est en fait une protoplanète qui a foncé sur la Terre juste après sa formation, comme c'était de coutume à l'époque, à l'époque pour toutes les planètes d'ailleurs, et qui a arraché un bout du manteau de la Terre. Fait fusionner son noyau avec celui de la Terre, et le bout du manteau de la Terre arraché et le bout du manteau de Théia, la protoplanète impactante, se sont en fait mélangés et sont mis à orbiter sous forme d'un disque de débris qui ensuite s'est aggloméré pour faire la Lune.
Et c'est pour ça que la Lune a un tout petit noyau de fer, puisqu'il y a la plus grande partie est allée rejoindre celui de la Terre, simplement parce que plus dense, donc ça allait vers le bas, tout simplement. Différenciation. Et le manteau de la Lune ressemble beaucoup à celui de la Terre, puisque bah, c'est un peu les mêmes cailloux, quoi. Voilà, même origine. Un bout des cailloux de la Terre et un bout des cailloux de Théia. Voilà, donc la Terre a eu des anneaux. Et il y a récemment un centaure, donc un objet qui est entre un astéroïde et une comète, c'est-à-dire qui est sur une orbite allongée et qui est plutôt fait de roche, mais qui a un peu d'activité cométaire quand même. Chariclo, qui a été découvert avec des anneaux par occultation stellaire. On a vu passer du coup l'objet devant une étoile, donc ça a éteint l'étoile temporairement. Et de part et d'autre, on a vu une petite extinction partielle, parce qu'il y avait un objet diffus devant qui passait, c'était les anneaux symétriquement, parfaitement symétriques. Voilà, et c'est aussi comme ça qu'on a détecté là, pour la première fois les anneaux de Neptune d'ailleurs, hein, avant que la sonde Voyager y arrive. Alors justement, en parlant de la sonde Voyager, est-ce qu'on a la réponse? J'ai pas cliqué sur sur les résultats. Question 2.5, c'est parti. Vous avez donné, alors en majorité la réponse 2 et en deuxième la réponse 4. Alors, c'était la réponse 2. Pioneer 11 est passé vers Saturne, c'est la première, je crois. Voyager 1 et 2 sont passés près de Saturne. Cassini-Huygens s'est mis en orbite autour de Saturne. Et New Horizons, non, non, non. J'y ai cru aussi au début, et quand j'ai fait le quiz, je me suis dit, mais non, non, New Horizons n'est pas du tout passé par Saturne, puisqu'on a voulu aller avec cette sonde à Pluton le plus rapidement possible, pour que les chercheurs qui travaillaient sur la sonde puissent également travailler sur le résultat avant d'être morts, tout simplement. Et donc, on a décidé de ne pas faire de survol ni d'orbite autour de Pluton, mais passer juste à côté à toute vitesse. C'est-à-dire perpendiculairement à son orbite, et donc là, aucun moyen de quoi que ce soit de corriger l'orbite avec, il aurait fallu des montagnes de carburant pour passer de perpendiculaire à parallèle, 90 degrés comme ça, pour une sonde, c'est juste, enfin, c'est impossible, voilà, à moins de s'appeler Spock ou de s'appeler Luke Skywalker, voilà. Et donc, bah, du coup, c'était un trajet de 9 ans, et la sonde a utilisé l'attraction gravitationnelle de Jupiter pour accélérer en 2006, je crois. Je ne dis pas de bêtises. En 2007, pardon. Et ensuite, plus rien avant Pluton en 2015. Voilà. Donc, elle a traversé l'orbite de Saturne, mais Saturne n'était déjà plus là ou pas encore là à ce moment-là. Et donc, non. Mais on a des très belles photos de Jupiter par New Horizons, par contre. J'étais persuadé que New Horizons faisait partie. Mais moi aussi, Erika 76600, donc comme quoi les médiateurs aussi apprennent des choses en faisant leur travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est médiateur scientifique et pas chercheur. C'est que on doit s'intéresser à tous les sujets et pas seulement notre sujet de prédilection. Et il faut se tenir informé. Et on apprend des choses tout le temps et puis après, on vous les apprend. Après, on vous les vulgarise. C'est comme ça que ça marche. Allez, c'est parti. Question 2.6. À quelle distance environ du Soleil se situe Saturne? On appelle le demi-grand axe, c'est ça qu'on utilise en général. Les orbites des planètes sont allongées, c'est des ellipses, et donc le demi-grand axe, c'est grosso modo la distance entre le centre de l'ellipse et le bord de l'ellipse. C'est une approximation de la distance de la planète, puisque forcément elle s'approche et elle s'éloigne, et le Soleil est sur un des foyers de l'ellipse, donc plutôt près d'un côté, et pas au centre. Voilà. Donc c'est une approximation, mais à cette distance-là, on s'en contente très bien. Allez, voilà la question. Est-ce que c'est 4 milliards 498 millions 400 000 kilomètres, soit environ 30,1 unités astronomiques, qui est en fait la distance Terre-Soleil. Une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. Donc vous voyez, hein, déjà, on fait des arrondis parce qu'on compte en distance Terre-Soleil. Voilà, c'est plus simple. Donc 30 distances Terre-Soleil. Ou alors, c'est 2 milliards 870 millions 700 000 kilomètres, soit 19,2 unités astronomiques. Ou alors 778 millions 340 000 kilomètres, 5,2 unités astronomiques, ou encore 1 milliard 426 millions 700 000 kilomètres, soit 9,5 unités astronomiques. Vous voyez qu'au kilomètre près, c'est pas très grave de se tromper avec des chiffres comme ça. Sauf si vraiment on veut faire un calcul très précis, mais en général, on n'a pas besoin de ça. Allez, année-lumière, c'est différent. Année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. C'est deux unités utiles en astronomie qu'on utilise pour réduire un peu la taille des chiffres, mais pas dans les mêmes échelles. C'est-à-dire que l'UA, c'est utilisé pour l'AU, pardon, c'est utilisé dans les systèmes planétaires.
ou dans les systèmes stellaires quand ils sont assez rapprochés, et l'année-lumière, c'est utilisé plutôt dans les groupes d'étoiles, quoi. Les étoiles proches du Soleil, les étoiles dans un amas d'étoiles, etc. Et après, pour les étoiles un peu plus éloignées, on utilise plutôt des parsecs, c'est 3,26 années-lumière. Et du coup, entre les galaxies, on parle plutôt de gigaparsecs, donc des milliards de parsecs, voilà, choses comme ça. Oui, si c'était 30 années-lumière, ce serait chaud pour Cassini-Huygens, si tu m'étonnes, pas plutôt 78. Mais c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai, c'est pour ça qu'il faut faire par élimination quand on ne sait pas. D'ailleurs, c'est ce que Synerta a fait. Allez, c'est parti pour les résultats. Et j'ai la majeure partie des gens qui ont voté pour la réponse 2. Et en fait, la bonne réponse, c'était la réponse 4. La bonne réponse, c'était la réponse 4, 1 426 700 000 km. Alors, qui est-ce qui a trouvé la bonne réponse? Ah, bah, y a quand même pas mal de gens qui ont trouvé la bonne réponse. Attendez que je clique dessus. Parce que là, je le voyais en tout petit. On a 4 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Mais c'est bien! Bravo à vous! Bravo à vous! Je vais vous donner du coup les autres chiffres, puisque les autres chiffres correspondent également à quelque chose, bien sûr. Les autres chiffres, on avait donc Saturne, c'est 1 million et demi de kilomètres, grosso modo, hein. Jupiter, c'est 778 millions de kilomètres. Et après, vous imaginez bien, comme j'ai fait un peu comme tout à l'heure, j'ai pris les quatre planètes géantes, donc dans l'ordre Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ça veut dire que c'est Uranus qui est à 2 milliards de kilomètres, enfin 3 milliards de kilomètres presque, et Neptune qui est à 4 milliards et demi. Voilà. Donc la méthode par élimination était la bonne. J'ai mis le max tellement je pensais qu'elle était loin. Non, en fait, ce qui est intéressant, ce qui est, enfin, en fait, c'est un moyen mnémotechnique très pratique, c'est que Saturne est deux fois plus loin que le Soleil, deux fois plus loin du Soleil que Jupiter, à peu près. Uranus est deux fois plus loin du Soleil que Saturne, à peu près. Et Neptune est deux fois plus loin du Soleil qu'Uranus, à peu près. Donc c'est un bon moyen de s'en sortir si tu sais qu'à peu près Jupiter, c'est à 700 millions de kilomètres, grosso modo, 800, quoi. Et bien après, tu peux retrouver les autres, à peu près. Voilà. Donc tant que t'as pas des calculs super précis à faire, ça suffit largement, un ordre de grandeur, c'est parfait. Question 2.7. Quelle particularité peut être observée au pôle nord de Saturne? Est-ce que c'est un simple vortex? Vous savez, comme le trou qui se crée quand on vide la baignoire, de vent et de nuages? Est-ce que c'est un vortex au centre d'un hexagone? Est-ce que c'est un jaillissement de nuages à la manière d'un geyser? Est-ce que c'est enfin un monolithe noir et rectangulaire avec des astronautes qui sont en train de l'étudier et de s'agenouiller devant. Voilà, et qui fait des bruits bizarres. Avec un bon véhicule en paillettes avant le déconfinement. Alors là, va falloir s'accrocher à Pix 6, hein. Si t'étais un Falcon Millennium, peut-être. Ah oui, je vois qu'il y a des gens qui ont joué au jeu Observation. Et oui. Tout à fait. Alors, je regarde un petit peu. Donc, on a toujours 52 personnes qui regardent. Donc, sachez que si vous participez au jeu, vous êtes regardé. Vous êtes sous le feu des projecteurs, autant que le planétarium ce soir. Ah, une petite voile solaire, c'est bien, Harpix 6, mais le problème, c'est que ça met du temps à accélérer. Tu vas atteindre la bonne vitesse au bout d'un certain temps, mais il va te falloir des années avant d'acquérir une vitesse adéquate. C'est ça le problème. Et puis, le retour, c'est pas pratique non plus. Parce que le retour, il faut avoir une étoile pour. Pour te donner assez de lumière pour, en te retournant, repartir dans l'autre sens. Et te freiner d'ailleurs, pour pas que tu passes à toute berzingue à côté. Pas pratique. La voile solaire, c'est une bonne idée, mais c'est pas facile. On pense aller propulser avec un laser tiré depuis la Terre qui serait un peu plus puissant, un peu plus concentré que simplement la lumière du soleil. Mais après, il reste le freinage, quoi. J'ai vu le reportage des monolithes sur un banc d'école, c'était très long. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, il y a eu des monolithes qui ont été faits par des artistes pendant le deuxième confinement, je crois. Et c'était assez rigolo. Plusieurs artistes qui sont donné le mot comme ça pour poser des monolithes en métal. Je sais pas pourquoi ils ont fait des références comme ça à ce film. Je sais pas si on a la réponse. Allez, je vous donne le Stropol, c'est parti. Ah, mais j'ai pas cliqué dessus. Je n'ai pas cliqué dessus. Voilà. Résultat. Hop, le voilà le résultat. On a deux personnes. Réponse 2, 10 votes, c'est ça. Un vortex au centre d'un hexagone. Je vais essayer de vous afficher l'image. Si je tape. Vous tapez hexagone de Saturne, vous avez toute une page Wikipédia qui vous explique ce que c'est. Alors il semblerait que quand il y a.
une très grande variation de vitesse très rapidement sur à partir du pôle nord jusqu'aux latitudes un peu plus basses, eh bien ça crée comme ça un vortex avec un hexagone ou un octogone autour. Ça a été démontré en laboratoire apparemment avec des liquides. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand on le fait en laboratoire, il y a des petits vortex apparemment qui se mettent en place sur les coins de l'hexagone et pas sur Saturne. Donc il y a encore de quoi réfléchir, de quoi étudier. Voilà, je vais vous mettre une image qui soit assez jolie si possible. Voilà, je vais vous mettre celle-là, comme ça vous verrez que c'est pas un hexagone parfait. Voilà. Voilà, c'est pas un hexagone parfait. Il y a même un hexagone dans un hexagone et puis un vortex au milieu, effectivement. Mais de loin, on a vraiment l'impression que c'est un hexagone parfait. Si je montre, voilà, de loin ça donne ça. Voilà. T'as encore confondu Saturne et Jupiter, ça t'arrive tout le temps. Pas désolé. Voilà, et donc au pôle sud, par contre, il n'y en a pas. Donc ça, pareil, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il y a cette variation de vitesse très rapide entre le pôle nord ici et les latitudes plus basses. Vous voyez, ici, ça fait un rond, mais on sent qu'il y a des petits coins quand même qui se mettent en place. Voilà. On voit qu'il y a des petites variations. Et pour l'instant, bah, les planétologues étudient ces choses-là. Donc, on en saura plus dans quelques années, probablement. Allez, on passe à la suite. Dernière question de cette manche. En fait, il y a trois manches au lieu de quatre, mais j'ai l'impression que, en fait, je vais mettre le même temps parce que du coup, je vous expliquerai plus de choses que quand il y a quatre manches. Bon, bah, dans l'affaire, c'est mieux pour vous parce que vous avez plus d'explications, mais ça reste le même temps. Je suis incorrigible. Allez, mais bon, je vais pas me faire gronder parce que j'en fais plus. Le planétarium vous fera toujours autant de contenu, c'est ça qui compte. Jupiter, chef des dieux et Saturne, console Sega, c'est facile. Oui, tu peux voir les choses comme ça. Ah là là. Allez, question 2.8. Quelle est la vitesse maximale des vents mesurés par les sondes voyageurs? Puisque les sondes voyageurs ont eu de quoi regarder le déplacement des nuages et se rendre compte à différentes altitudes à quelle vitesse bougeaient ces nuages. Vous savez que les nuages ne bougent pas à la même vitesse selon leur altitude, on peut même le voir sur Terre, hein. Des fois, on voit des nuages d'altitude bouger pas vite, tandis que des nuages plus bas bougent très vite ou inversement. Les nuages d'altitude ont une forme bien caractéristique, un petit peu ténue, un petit peu allongée, comme ça. Un petit peu nébuleuse, un petit peu. Je trouve pas le mot. Éthérée, voilà. Contrairement aux nuages de basse altitude qui sont chargés d'eau et bien globuleux, comme ça. Bien cumuleux, comme les cumulonimbus. Et donc voilà. Voyager a mesuré ses vitesses et au maximum, il a trouvé une certaine vitesse. Alors est-ce que c'était 500 km/h, 800 km/h, 1 800 km/h ou 2 400 km/h? Voilà, sachant qu'en plus de ça, hein, c'est des vents qui soufflent très fort, puisqu'il y a beaucoup de matière. C'est-à-dire que sur Mars, c'est des vents qui soufflent très fort également, mais l'air n'est pas très dense. Donc on ne peut pas propulser un Mark Watney avec une tempête martienne. Par contre, on peut recouvrir tout ce qui bouge de poussière martienne, infiltrer les combinaisons et les instruments électroniques et faire des courts-circuits partout. Ça oui. Par contre, on ne peut pas pousser un Mark Watney avec. Je ne réponds pas, j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne sur Terre. Bon, par contre, il n'y a pas des vents aussi forts sur Terre. Je crois que dans les cyclones, c'est 300 km/h peut-être. Mais il n'y a pas aussi fort sur Terre. Les vents martiens, ouais, ils sont très forts, mais l'air n'est pas très dense. Ce qui fait qu'en fait, en sensation, vous n'êtes pas expulsé comme vous le seriez si vous étiez dans une tornade sur Terre, quoi. Alors, je vais cliquer sur le lien. On parle des vents sur Saturne, hein. Pardon. Oui, sur Saturne, on est toujours sur la manche de Saturne. C'est vrai que j'ai pas mis Saturne dans la question. On est bien sur Saturne, là. Hein. Saturne. Tu fais bien de me le rappeler, j'avais pas mis Saturne dans la question. Alors, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Ah, pour l'instant, il y a une personne qui a la bonne réponse. Ah non, attendez, non. Non, 7 personnes ont la bonne réponse. 7 personnes ont la bonne réponse. J'avais pas lu la bonne ligne. Désolé pour la personne qui avait voté toute seule. Désolé pour l'ascenseur émotionnel. Allez, c'est bon, on y va. C'était bien la réponse 3, 8 votes, 1 800 km/h. Et figurez-vous que ce n'est pas les vents les plus forts qu'on ait trouvés dans le système solaire, c'est sur Neptune qu'il y a les vents les plus forts. Au moins deux fois plus fort, si je me souviens bien.
C'est ça. Alors, le deuxième plus rapide que ce Neptune. Alors, je vais vous donner. Je sais plus combien c'est sur Neptune, mais je vais vous dire ça. Vent de Neptune. Je sais plus combien de milliers de kilomètres heure c'est, mais c'est assez énorme. Non, je veux pas. Je veux pas. Hein, non, c'est pas ça que je veux, moi. Je veux la page Neptune. Pas Sous les vents de Neptune, qui est un roman de Fred Vargas. Ce n'est pas ça que je veux. Si je tape vent. Voilà, les plus fins. 2100 km heure, voilà, c'est ça. 2100 km heure pour Neptune. Ça fait beaucoup. Puis en plus, sur Neptune, il fait moins 218 degrés dans les couches les plus hautes de l'atmosphère. Donc un vent de 2100 km heure à moins 218 degrés, bah là, pour le coup, si vous voulez un scénario de SF où vous gelez sur place, bah, arrêtez de faire les scénarios où vous êtes dans le vide sans scaphandre. Faites plutôt une scène qui se déroule dans les nuages de Neptune. Là, vous allez avoir des personnages congelés assez facilement. Congelés et emportés au loin, voire déchiquetés. Voilà. Si vous voulez de la science-fiction de ce genre-là, bah, c'est plutôt là qu'il faut aller. Allez, vos notes sur 8, s'il vous plaît, puis on passe à la dernière manche rapidement. Ça va faire pas mal de bruit aussi, tout à fait, ouais. D'ailleurs, en parlant de bruit, sur les réseaux sociaux de la NASA, vous allez pouvoir trouver. Le bruit du vent entendu par Perseverance, le nouveau robot qui est sur Mars, et le bruit de Ingenuity, l'hélicoptère entendu par Perseverance aussi. C'est pas très impressionnant en soi, on entend juste un petit flip-flap, mais ce qui est impressionnant, c'est de savoir ce qu'on entend. Du vent qui va plus vite que le son, ça donne quoi? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça doit faire un sacré boucan. Neptune en Bermuda, prochaine expérience de Thomas Pesquet. Je ne lui souhaite pas. Solar Parker enregistre les bruits du soleil. Alors, c'est pas le bruit du soleil qu'il enregistre, c'est un quelconque signal lumineux ou des mouvements de matière qui détecte et qui est ensuite converti en son. Mais c'est pas directement un son. Un son, c'est un déplacement de matière qui arrive sur un récepteur. Quand vous entendez les sons des planètes, c'est pas les sons des planètes, c'est en général leur signal radio d'une certaine fréquence qui est convertie en son pour être écoutable. L'oreille humaine est assez fine, mais c'est plus pratique pour un ordinateur en fait d'avoir les valeurs du signal pour détecter des choses plutôt que d'entendre le son. Mais pour un humain, entendre le son, ça peut permettre de détecter des choses qu'un ordinateur n'arrive pas à détecter, par exemple. Avec les yeux, on peut voir sur des images des choses que l'algorithme n'arrive pas à trouver. Donc c'est pour ça qu'on convertit parfois comme ça ces signaux en images ou en son. Par exemple, les signaux radio, eh ben, techniquement, il n'y a pas d'image puisque ce n'est pas des couleurs, c'est des ondes radio. Et donc on crée des images qui nous permettent ensuite de les étudier. Mais c'est des images factices, du coup. Des images qui représentent les données mais qui ne sont pas directement reçues. Voilà. Oui, il poste les sons et certains podcasts sur SoundCloud. Ouais. Merci Erika, à bientôt. Allez, je vous laisse donner vos scores. Je passe au dernier. Allez, vous êtes prêts? Bravo pour Tam Nosika 4 sur 8. Ça veut dire que tu as appris 4 choses et su 4 choses. Bravo à toi. Bravo Péborel, 5 sur 8. Bravo Dabiro, 7 sur 8. Noé Julien, 2 sur 8. Arpix, 2 sur 8. Vous avez appris plein de trucs. C'est ça qui compte. Ce n'est qu'un quiz informel. On ne gagne rien, on ne perd rien, on ne fait qu'apprendre des choses. Allez, manche numéro 3, les télescopes astronomiques spatiaux. Voilà pourquoi je ne voulais pas trop m'épancher sur le sujet de Hubble tout à l'heure. C'est parti. C'était Hubble ou c'est plus que c'était le télescope? Il y avait un télescope sur lequel. C'était le point de Lagrange, c'est ça. Je ne voulais pas trop m'épancher sur ce qui s'y trouve, parce que justement, on va en parler. Je crois. C'est parti. Question 3.1. Quel est le premier télescope astronomique spatial? Je précise astronomique parce qu'il y a des télescopes espions qui sont tournés vers la Terre aussi, qui ont dû être là dès le début de l'ère spatiale après 1957 pour espionner les Russes ou les Américains ou l'inverse pendant la guerre froide. Donc là, c'est vraiment les télescopes astronomiques, donc dirigés vers les étoiles. Donc le premier dédié au domaine visible qu'on voit avec nos yeux, donc du rouge au bleu. Mise en orbite, est-ce que c'est Kepler, est-ce que c'est Hubble, est-ce que c'est Corot ou est-ce que c'est Hipparcos? Hipparcos dont on a parlé sur le quiz numéro 6, sur les catalogues d'étoiles, si vous vous souvenez bien. Télescope qui avait catalogué 118 000 étoiles avec leur distance. Kepler qui est un télescope qui sert à la détection d'exoplanètes, Corot également, et Hubble à tout un tas de choses, et qui est très connu. Lequel de ces quatre télescopes a été mise en orbite en premier.
Alors, allez-y, je vous attends. Toujours 57 personnes qui vous regardent hein, si vous jouez. J'espère que si vous regardez sans jouer, vous jouez de votre côté sur un bout de papier. Et j'espère que vous apprenez des choses, même si vous ne vous exposez pas au feu des projecteurs comme les joueurs et joueuses qui cliquent sur les liens. Du moment que vous apprenez des choses, moi, ça me va. On n'est pas obligé de participer directement au jeu. On est là pour ça au planétarium. Alors, j'ai 12 votes pour l'instant. Ah ah! Je vois qu'il y a. Les avis sont partagés, hein. J'ai pas un 25, 25, 25 comme dans les sketchs de qui veut gagner des millions quand on appelle au public, mais c'est quand même partagé. Et il y a un beau paquet de gens qui n'ont pas la bonne réponse également. Ah ah! Ça veut dire que vous allez pouvoir apprendre des choses et ça c'est cool. Allez, c'est parti! Hop là! Voilà vos résultats. On a 58% des votes pour la réponse 2, mais la bonne réponse, c'était la réponse 4, le télescope Hipparcos. Bravo aux deux personnes qui ont trouvé. Bravo à vous. Attendez, j'ai perdu ma fenêtre. Voilà. Bravo à vous. Je vais vous effacer ça pour pouvoir relire les réponses. Donc, Hipparcos. Hipparcos a été mis en orbite en 1989, le 8 août 1989, et il a terminé sa mission en 1993, probablement parce qu'il avait plus de quoi refroidir sa caméra ou ses instruments, sûrement ça, ou qu'il avait plus de quoi, comme je disais tout à l'heure, orienter sa visée avec ses moteurs d'appoint. Il était sur une orbite entre 223 et 35 632 km. Maintenant, vous savez pourquoi. C'est utile d'avoir des orbites de ce genre-là. Souvenez-vous, pour Lunar Gateway, c'est de pouvoir être à la fois près de la Terre pour communiquer s'il y a besoin, enfin, des urgences, quoi, et puis à la fois très loin pour pouvoir observer le ciel sans être gêné par la Terre. Hubble, c'était le 24 avril 1990, en orbite basse à 586 610 km d'altitude, un peu plus haut que la Station spatiale internationale, mais sur une orbite circulaire. Donc on faisait en sorte qu'il ait toujours la Terre dans le dos, mais ça veut dire qu'il y a en permanence toute une partie du ciel qu'il ne pouvait pas voir, contrairement à Hipparcos. Kourou, 27 décembre 2006 au 17 juin 2014, à 872 884 km d'altitude, qui a donc étudié des exoplanètes par transit planétaire et par vitesse radiale, les deux méthodes, on en parlera tout à l'heure peut-être. Kepler de la NASA le 6 mars 2009, sur le point de Lagrange L2, donc à 1,5 million de kilomètres de la Terre, je crois, que je vérifie si c'est bien celui-là. Quelqu'un en avait parlé tout à l'heure dans le chat, si tu peux me rappeler la distance du point de Lagrange L2, je ne me souviens plus. Sauf, je vais chercher de mon côté, mais je crois que quelqu'un avait la réponse déjà tout à l'heure. Point de Lagrange, voilà. Est-ce qu'il y a la distance pour la Terre? Ouais, là j'ai la distance pour la Terre. L2. Non, j'ai pas la distance. Zut. Flûte. Je n'ai pas la distance là sous les yeux. Je crois que c'est 1,5 million de kilomètres ou quelque chose comme ça. C'est assez loin en tout cas, assez loin, ce qui permet de. Vous pourrez vérifier, vous tapez point de Lagrange Terre L2. Ce qui permet d'avoir un télescope qui ne voit pas trop la Terre et pas trop le Soleil, qui peut être vraiment orienté un peu comme on veut. Voilà. Et du coup, va rester autour de ce point sans quitter l'orbite, puisqu'il n'est pas plus attiré par la Terre que par le Soleil. C'est ça le principe. Voilà, donc c'est bien Hipparcos, le premier télescope visible qui est allé dans l'espace. C'est parti. Hipparcos, oui, de Hipparque, hein. Hipparque de Samos, c'est ça? Comme ça qu'il se faisait dans un télescope qui a fait de la cartographie des étoiles. Hein. Hippocampe, non, c'est pas ça. Question 3.2. Comment le télescope Hubble a-t-il été mis en orbite le 24 avril 1990? Alors, pour celles et ceux qui font du Lego, vous avez la réponse. Merci, Caninote, c'était bien 1,5 million de kilomètres. C'était bien ça. Est-ce que c'est avec la navette spatiale Discovery, STS-31, la mission? Est-ce que c'était avec le lanceur Saturne V? Est-ce que c'était avec le lanceur Ariane 4 ou le lanceur russe N1? Allez, question pour les amateurs de Lego. Si vous aimez les Lego, vous connaissez la réponse. Sinon, c'est que vous n'avez pas joué à Lego depuis très longtemps. Hop, elle est facile celle-là. Celle-là est très facile. Celle-là est très facile. Vous devriez y arriver sans trop de soucis.
Mais il faut mettre des questions faciles comme ça, sinon après les gens sont frustrés. Ça fait partie des techniques pédagogiques, ça, de mettre des choses faciles comme ça de temps en temps, parce que sinon après les gens ils s'abandonnent. C'est normal, on a tous et toutes des blocages. Par exemple, on évite en pédagogie d'utiliser des tableaux en médiation, parce qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences à l'école, donc on évite les tableaux. On s'organise autrement. Petites astuces comme ça de médiation que je vous donne. Un petit peu les coulisses du métier. Tu joues pas au Lego, mais tu t'en souviens encore. Oui, ça avait fait grand bruit à l'époque. Hein. Les goûts et les couleurs, oui. Tout à fait. Ah, du coup, ce serait plutôt Lego et les couleurs. Mais je sais pas ce que ça... Ouais, les couleurs... Ouais, non, je sais pas. Alors, c'est parti. Le résultat, le voici, bien évidemment. C'était la réponse 1, la navette spatiale. Et oui, la navette spatiale avait une soute suffisamment grande pour emporter des télescopes entiers et même des sondes spatiales. Rappelez-vous, la dernière fois, on a vu qu'une mission... Une mission d'une astronaute américaine, je crois, je ne sais plus quel était son nom, avait emporté la sonde Galileo qui est allée voir Jupiter dans les années en 97, est arrivée à Jupiter en 97. Et donc voilà, la navette spatiale a lancé pas mal de gros satellites et de sondes spatiales. Et c'est elle aussi qui a ravitaillé le télescope Hubble durant une grande partie de sa vie, ce qui fait que maintenant, peut-être avec le Starship, on pourra le faire, le Starship de SpaceX, quand le développement sera fini. Mais en attendant, on n'a rien pour réparer le télescope Hubble si jamais il tombe en rade. Souvenez-vous, hein, du refroidissement, parce qu'il fait aussi un petit peu d'infrarouge. On a besoin de refroidir le capteur pour pas qu'il ne se voie lui-même, puisque l'infrarouge est émis par les choses qui chauffent. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de refroidir les caméras infrarouges. Et puis bah, ces petits moteurs d'appoint qui permettent de l'orienter, qui peuvent tomber en rade, ou alors même ces gyroscopes, je crois qu'il y en a un qui est en panne d'ailleurs, ces gyroscopes, il a des redondances comme tous les systèmes spatiaux, c'est-à-dire des systèmes en double ou en triple, mais voilà, on peut plus le réparer. Voilà, tu viens de recevoir la version ISS du Lego hier. Ah, mais sachez qu'au Planétarium actuellement, on a une nouvelle exposition qui s'appelle Astronautes, que vous verrez à la réouverture, qui a été annoncée officiellement, cette fois-ci je peux vous le dire, le 1er juin, et il y a des Lego dans l'exposition. Voilà, des Lego de l'ISS, de Saturne V et du module Eagle d'Apollo 11 qui s'est posé sur la Lune. Voilà, sous cloche, bien sûr, vous ne pourrez pas jouer avec, mais vous pourrez tourner autour. Voilà, ça nous a fait. Je me suis chargé de les monter, et ça m'a fait du bien de pouvoir jouer au Lego au travail. C'est pas donné à tout le monde. Mais du coup, au Planétarium, maintenant, on vous propose de pouvoir regarder. Et il y a aussi un petit stand où vous pourrez jouer au Lego pour fabriquer votre station spatiale avec vos enfants. Voilà, et peut-être que, je sais pas, si on s'arrangera peut-être pour que vous puissiez faire des photos, nous les envoyer, et qu'on en fasse un poster quelconque sur le site du Planétarium, je sais pas, je vais soumettre l'idée, ça vient de me venir comme ça, soumettre l'idée à mes collègues, voir ce qu'ils en pensent, mais ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, oui, on avait pensé à faire ça, des étendes sur un petit fil avec, vous savez, comme sur un labo photo, en fait. Donc, on verra, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir avec vos enfants, n'emportez pas les pièces de Lego, et puis ça devrait vous plaire, j'espère. Allez! Lanceur Saturne 5, c'était Apollo, donc voilà, ça c'est fini. Ariane 4, c'est français, c'est venu après. Et je crois pas que ce soit assez massif, peut-être Ariane 6, je sais pas, qui va arriver. Le lanceur russe N1, c'était l'équivalent de Saturne 5 pour les missions habitées vers la Lune de la Russie, qui n'a pas fonctionné. Le lanceur russe N1 a raté ses 4 premiers lancements. Mais c'était des tests, hein, de toute façon. Le problème, c'est qu'après, bah, il y a eu des changements dans l'Union soviétique qui fait que le projet a été abandonné. Voilà. Et si vous suivez la série For All Mankind, eh bien, c'est une uchronie où on vous raconte ce qui se serait passé si la fusée N1 avait marché, avec Alexei Leonov, le premier homme à être sorti en extravéhiculaire sur l'orbite terrestre. Qui aurait été le premier russe dans l'espace et le premier homme dans l'espace tout court avec Neil Armstrong qui devait arriver un mois après, donc un mois avant, en juin 69. Et c'est très intéressant les uchronies parce que ça vous raconte une hypothèse de ce qui se serait passé si un événement d'histoire avait changé. Très rigolo à regarder. Il y a plein de romans de science-fiction de ce genre-là aussi. Il y a un roman de Stephen Baxter qui vous explique ce qui se serait passé si Kennedy n'avait pas été assassiné et si on avait continué du coup après l'exploration lunaire, etc. Donc, les uchronies, c'est un bon moyen aussi de faire de la vulgarisation scientifique et historique aussi. Allez, question 3.3. Quel était le domaine de longueur d'onde du télescope spatial Spitzer? Est-ce que c'était du visible? Est-ce que c'était des rayons X? Ou est-ce que c'était des infrarouges? Ou encore des ultraviolets? Est-ce que vous connaissez le télescope spatial Spitzer? Je sais pas comment ça se prononce. Spitzer. Dites-moi si vous connaissez celui-là. Qu'est-ce qui fait celui-là?
plutôt qu'à ce qu'il a fait. Alors, petit indice, il ne fonctionne plus, puisqu'il y a quelque chose qui est venu en rupture de stock. Et c'est un télescope qui était au point de Lagrange L2, je crois, justement, à 1,5 million de kilomètres, donc on n'a pas pu le réparer. Donc, il y a un truc qui est arrivé à court de stock, sur place. Ça devrait vous aider à trouver la longueur d'onde, puisque comme c'est arrivé à court de stock et que du coup ça marche plus, c'est bien qu'il y a une de ces quatre longueurs d'onde qui a besoin d'un truc en particulier, un consommable en fait, qui s'il n'y en a plus, ça marche plus. Voilà. Donc je vous ai donné un petit peu la réponse tout à l'heure parce qu'on a déjà parlé. C'est un consommable très important pour cette longueur d'onde là. Et s'il n'y en a plus, ça marche plus. On l'a évoqué plusieurs fois, on va voir si vous avez bien suivi les petites anecdotes. Ça devrait vous aider à trouver si vous ne connaissez pas. Hop, je prépare la réponse. Ah, je vois qu'il y a une hésitation. Alors, il y a 5 personnes pour l'instant qui ont la bonne réponse. Alors, souvenez-vous, c'est un truc. Si c'était les moteurs, eh ben, ça serait embêtant pour les 4 longueurs d'onde. Donc, c'est pas les moteurs qui sont arrivés à court. Il y avait le refroidissement aussi, souvenez-vous. On exploite toujours ces données malgré tout, oui, mais c'est. Il y a des longueurs d'onde qui nous sont du coup inaccessibles à cause de ça. Allez, je vous affiche le résultat. Je vous fais pas souffrir plus longtemps. C'est parti. C'était la réponse 3. C'était les infrarouges. Bravo aux 5 personnes qui ont trouvé. Donc, le télescope est venu à bout de son hélium liquide. Je crois que c'était de l'hélium liquide pour Spitzer et pas de l'hydrogène liquide. Ça va être, ouais, je crois que c'est ça. Pour le refroidir. Et bah, du coup, on n'a pas pu, comment dire, quand on n'a plus de refroidissement sur la caméra, eh bien, on voit, comme je vous disais, bah, les infrarouges émis par la caméra qui chauffent les systèmes électroniques, en fait. Et c'est seulement certaines longueurs d'onde des infrarouges qui sont touchées. Et donc, bah, le télescope Spitzer actuellement n'utilise que la partie qui n'est pas touchée par cette, comment dire, par cette pollution infrarouge. Et c'est embêtant parce que les télescopes infrarouges sont là pour voir des choses qu'on ne peut pas voir depuis la Terre, parce que comme vous le savez, la majeure partie des infrarouges sont bloqués par les nuages de la Terre, par l'eau qui est dans l'air, par le méthane qui sort des vaches, hein, et par le CO2 qui sort de nos voitures, entre autres. Il s'appelle l'effet de serre, et c'est pour ça qu'il fait 15 degrés en moyenne sur Terre et que malheureusement ça augmente. Et donc du coup, les infrarouges sont bloqués par l'atmosphère de la Terre. Donc c'est pour ça qu'on va dans l'espace pour les observer et qu'on doit quand même refroidir parce que sinon le télescope se voit lui-même. C'est comme si vous vous amusiez à essayer de regarder les étoiles avec une tenue avec des LED partout qui clignotent dans tous les sens. Voilà. Ce serait pas hyper pratique pour voir les étoiles. Voilà. C'est un peu vous. Ayez ça en tête, ça devrait fonctionner. Dites-moi si ma si ma si si la si mon illustration fonctionne. Voilà. Donc. Le méthane qui sort des vaches. Je vois bien un enclos à l'ESA avec des vaches. Ah, peut-être quand on ira sur Mars, il y aura peut-être un enclos avec des vaches, je ne sais pas. Pour avoir du lait. Ou peut-être qu'on aura besoin de ce qu'il en sort pour cultiver. Parce que apparemment le caca d'humain, ça marche pas très bien selon les experts par rapport à Mark Watney, tout ça. Le caca de vache, ça a l'air de mieux marcher quand même pour fertiliser les sols. Voilà. Allez, question 3.4. Quel était le problème découvert à la première utilisation du télescope spatial Hubble? Donc Hubble était, je crois que c'était 80, 80, 90, oui, 90. À partir de 90, du coup, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros souci. Est-ce qu'il produisait des images floues? Est-ce qu'il ne parvenait pas à ouvrir son cache de protection? Est-ce qu'il était sur la mauvaise orbite ou est-ce qu'il n'était pas alimenté en électricité? Les quatre seraient fâcheux, mais comme c'était l'époque des navettes, on a pu réparer. Mais la NASA n'était pas très contente de ses prestataires, puisque ça n'était pas prévu au programme. Que ça arrive. Alors, c'était lequel? Si vous avez la quarantaine ou la trentaine, vous devriez vous en souvenir, et sinon, bah, il faut l'avoir étudié un petit peu. Les quatre en même temps, ce serait catastrophique. Non, mais par contre, Papillon 078, il y a eu plusieurs problèmes en même temps, dont un qui est listé ici. Il y en a eu plusieurs en même temps. Je vous laisse voter. Et on a parlé à la télé tous les jours. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, c'était énorme en fait. Hein. T'imagines, il y a la NASA qui commande à des prestataires un télescope spatial qui coûte assez cher quand même. On l'envoie dans l'espace, avec une navette spatiale, même des humains qui risquent leur peau pour le faire, parce que c'est quand même. La navette spatiale, ça marchait bien, mais c'était jamais fiable à 100%. Et puis, bah, pouf, le problème. La NASA n'était pas contente. La NASA n'était pas contente du tout à l'époque.
Allez, je vous montre le résultat parce que on est un petit peu en retard, parce que je parle beaucoup. Alors c'est bien pour vous, mais du coup on est un peu en retard. Hop, je suis de retour du futur, nous dit Erika 76600. Allez, effectivement, c'était qui voyait flou. Eh oui, il y avait une aberration sur le miroir. Alors, comment vous expliquer ça simplement? Quand on fait un miroir de télescope, on veut que ce soit un miroir grossissant. Donc, ça veut dire qu'on va faire un miroir en creux, comme ça, avec du coup les faisceaux lumineux qui vont arriver sur le miroir. J'en fais deux, je fais les deux côtés du faisceau là. Voilà, deux rayons. Et arriver sur le miroir, bah, du coup, c'est pentu. Mais comme sur un miroir, le faisceau incident part avec le même angle pour repartir que l'angle qu'il avait au départ, eh ben, nécessairement, il va partir comme ça. Ça veut dire que si j'ai ma lumière qui arrive ici, eh ben, elle va converger ensuite, en rebondissant sur le miroir, vers un point qu'on appelle le foyer. C'est comme ça que ça marche un télescope pour grossir les images. Et il se trouve qu'il y a deux façons de faire un miroir en creux, soit avec une forme parabolique, comme les antennes qu'on a pour la télé là, soit sphérique, comme une boule en fait. Et le problème des antennes, des miroirs sphériques, c'est que si on fait le dessin, là je ne l'ai pas sous la main, mais vous pouvez regarder sur internet, vous tapez miroir sphérique, vous allez voir que les rayons, eh ben, ils n'arrivent pas tous au même point, ils arrivent sur une espèce de tache. Et donc en fait, ça fait des images floues. Et il faut absolument un instrument correctif dans le système optique pour corriger cet effet. Et par exemple, sur les télescopes amateurs, les télescopes de Schmidt-Cassegrain, ou les Maskutov-Cassegrain, il y a une vitre à l'avant, qui n'est pas juste une vitre, qui est une vitre qui est taillée avec une épaisseur qui est modulée par rapport à la forme sphérique du miroir au fond et à ses impuretés, ses imperfections. Donc chaque vitre est faite pour chaque miroir, et si vous la pétez, eh bien, votre télescope il est foutu parce qu'on ne peut pas refaire la vitre, parce qu'elle est faite en même temps que le miroir. Bon, et en fait, si vous faites un miroir de télescope pour un télescope de type Newton, ou Cassegrain tout court, c'est-à-dire sans la lame, sans la vitre qui corrige, vous avez besoin d'un miroir parabolique pour que le foyer soit un point, qu'on n'ait pas besoin de le corriger. Alors je ne sais pas quel est l'avantage d'avoir un miroir sphérique avec une vitre par rapport à un miroir parabolique sans vitre, mais dans les deux cas, le but c'est d'avoir un point à la sortie pour le point focal. Et bah, si vous faites un miroir parabolique, il faut qu'il soit vraiment parabolique. C'est-à-dire que si l'entreprise qui fait le miroir s'est un petit peu ratée et a fait un miroir plutôt sphérique que parabolique, suite à une erreur de mesure, et ben, vous avez un miroir parabolique dans un télescope qui n'a pas la vitre correctrice. Et c'était le cas de Hubble, et donc la NASA n'était pas du tout contente de son prestataire. Voilà. Mais voilà, c'est exactement ça. La NASA s'est dit, mais c'est énorme comme erreur. Ben, figurez-vous qu'il y a aussi une sonde qui a crémé dans l'atmosphère de Mars parce que quelqu'un a compté en miles au lieu de compter en kilomètres. C'est des choses qui arrivent. Malheureusement, space is hard, comme on dit. L'espace, c'est dur. Je vais vous dire un petit peu. J'avais aussi une autre info à vous donner par rapport à ça. Voilà. Dès les premiers jours qui suivent le lancement, des problèmes qui, dans un premier temps, semblent mineurs, viennent tempérer la joie des participants au projet. Le télescope spatial se met régulièrement en mode sauvegarde lorsque certains de ses appendices sont mis en mouvement, tandis que les senseurs fins chargés de maintenir le télescope pointé vers la partie du ciel étudiée, c'est-à-dire les gyroscopes, en fait, ne parviennent pas à se verrouiller sur la zone visée. C'est quand même bête. Vous avez un télescope qui est censé voir des choses très fines et très lointaines, et vous n'arrivez pas à viser ce que vous voulez. Bon, ça, ils ont réussi à le corriger progressivement, peut-être en rajoutant des programmes de correction informatique, etc. À partir du moment où vous connaissez l'erreur, vous pouvez la corriger, si c'est toujours la même. Mais par contre, voilà, ils se sont rendus compte que bah, les photos sont floues, et donc il apparaît rapidement que l'origine du problème est une aberration sphérique du miroir principal au miroir secondaire, soit des deux, créé par un polissage de verre effectué sur des spécifications erronées. Voilà. La tuile. Vous connaissez ces sites où on vous dit ces gens-là ont passé une plus mauvaise journée que vous. Bah là, voilà, vous avez un exemple de journée plus mauvaise que la vôtre. À la fois les astronomes qui ont repéré le problème et qui ont été super déçus et frustrés et de façon légitime, et les ingénieurs qui se sont dit mince, on a fait une boulette. On a mal poli le miroir. Et puis les administrateurs de la NASA qui disent, bon, comment je vais justifier ça face au Congrès américain? Voilà. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais ça a été réparé parce qu'on a eu la navette spatiale pour. Voilà. Alors on ne dit pas VDM en spatial, on dit Space is hard. Voilà. Et en plus, c'est vrai. Question 3.5. Quel était le premier télescope spatial tout domaine de longueur d'onde confondu? On a vu que le premier en visible c'était Hipparcos. Et donc, est-ce que tout domaine confondu c'était Uhuru? Je sais pas comment ça se dit. En rayon X, OAO2 en UV, IRAS en IR ou Hipparcos en visible. Est-ce que Hipparcos était le premier télescope tout court ou pas? À vous de me dire. Hop là.
Je penserai à ça la prochaine fois que je me dirai que j'ai passé une mauvaise journée. Oui, Sinerta. Après, il y a des astronautes qui ont vécu une mauvaise journée. On parlait d'Axel Leonov. Je vais expliquer un petit peu cette anecdote pendant que vous répondez à la question. Il a fait la première sortie extravéhiculaire. J'ai déjà dit plusieurs fois sur les lives, mais peut-être que vous n'étiez pas là. Il a eu un problème de pressurisation dans sa combinaison une fois qu'il était déjà sorti du vaisseau. Et bah, le sas, il n'était pas conçu pour une combinaison qui faisait deux fois sa taille, quoi. Alors, je sais pas de combien il a grossi, mais en tout cas, ça ne passait pas. Il ne pouvait pas rentrer. Et il a fait une crise de panique. Donc, il a failli tomber dans les pommes, tout simplement. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on fait une crise de panique ou une crise d'angoisse. Mais juste à temps, il a eu la présence d'esprit d'ouvrir une valve et de faire partir un petit peu d'air et pour rentrer ensuite dans son vaisseau. Voilà, ça aussi, c'était une mauvaise journée. Ça aussi, c'était une mauvaise journée. Mais il s'en est bien sorti. Il y a aussi le commandant Chris Hadfield, anecdote que je raconte souvent sur le live, c'est qu'il était en sortie extravéhiculaire, pareil, et puis il a eu, je crois, des larmes ou une fuite d'eau dans son casque, qui a du coup masqué ses yeux, puisque avec la tension de surface et l'absence de gravité, en tout cas ressentie, et bien des gouttes restaient collées à ses yeux. Et mais du coup, il ne voyait plus rien. C'est pour ça qu'ils sortent à deux ou trois dans l'espace en général, parce que sinon, s'ils étaient tout seuls, ben, tu peux avoir de graves problèmes, quoi. C'est embêtant. Allez, j'ai 11 votes. Et c'est pas facile cette question, moi-même je ne savais pas avant de me renseigner, donc maintenant je sais. Voilà. Nous avons une majorité de votes pour la réponse 1. Voyons voir, est-ce que vous avez la réponse? C'était le télescope IRAS en infrarouge qui a été envoyé. Pardon, excusez-moi, télescope Uhuru. Je lis mal mes fiches. Uhuru de la NASA, télescope X, le 12 décembre 1970. Jusqu'en mars 1973, sur une orbite entre 531 et 572 km. C'était Uhuru. J'imagine, je sais pas de quelle langue c'est. Est-ce que c'est la langue des peuples qui étaient originaires d'Hawaï, comme on a beaucoup de noms en ce moment qui ont cette origine-là. Je ne sais pas si c'est la même. Je ne sais pas. Si vous savez, ça m'intéresse. Ensuite, on a eu dans l'ordre. On a eu OAO2 en UV, on a eu ensuite IRAS en 83, et enfin le visible seulement en 89. Voilà. Tu te souviens de ça, Sinerta? Il avait fait une conférence dessus, hein. C'était ça, la gestion de la peur de la mort dans l'espace, ou un truc comme ça. Et il répondait, comme Mark Watney dans Seul chez Mars, je pense que c'était une référence d'ailleurs, que ben, en fait, quand ça arrive, ben, on résout un problème, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, jusqu'à ce qu'on soit en vie, en fait. Enfin, ou jusqu'à ce qu'on ne meure pas. Uru, c'est du Swahili. Par contre, je suis pas très calé en langue, donc je veux bien que tu me précises un petit peu où c'est image numérique, s'il te plaît. Question 3.6. Avant-dernière question, en TP0, quelles observations le télescope spatial Herschel a-t-il rendu possible? La détection d'exoplanètes, les nuages de poussière froid, les trous noirs ou les étoiles géantes? Je vous donne un indice. Herschel a observé dans l'infrarouge lointain, donc les objets froids. Les objets froids. Mais froid comment? Froid comment? C'est à vous de me le dire. Est-ce que c'est froid comme une exoplanète, froid comme une étoile, froid comme un trou noir ou froid comme de la poussière? À vous d'essayer de deviner. Herschel, du nom de William Herschel, qui a découvert la planète Uranus. Et du nom de Caroline Herschel, sa sœur, je crois, qui a fait plein d'observations et de cartographies de galaxies et de comètes, si je me souviens bien. Et d'amas d'étoiles, dont on entend rarement parler, mais qui a quand même apporté beaucoup de choses en termes du coup de cartographie à l'astronomie. Alors, donc c'est William Herschel qui a trouvé Uranus et Urbain Le Verrier, un ancien directeur de l'Observatoire de Paris, qui avait découvert Neptune. Alors je vous le répète, moi je confonds souvent les deux, donc comme ça vous ne confondrez pas les deux. Kenya, merci beaucoup Enkilal. Donc, à voir pourquoi c'était ce nom-là, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Vous avez répondu réponse 2, c'est effectivement la poussière. La poussière interstellaire, donc ces grands nuages opaques faits de particules qui sont en fait des molécules assez grosses, à 2 ou 3 atomes minimum, et ça peut être jusqu'à des molécules de sucre ou d'arôme framboise carrément. Qui sont en fait du coup opaques à la plupart des longueurs d'onde en dessous de l'infrarouge. C'est pour ça que dans les photos de nébuleuses, bah, je vais vous en montrer une rapidement. Si je prends par exemple nébuleuse, je vais pas marquer M16, sinon c'est pas des nébuleuses que je trouve. Je vais juste marquer nébuleuse M16. Je vais vous en montrer une.
Voilà, comme ça, vous, en plus, ça parle de Bull, c'est parfait, vous la connaissez sûrement cette photo. Est-ce que je peux voir l'image? Voilà. Hop, voilà. Donc, en fait, là, vous avez une nébuleuse, la muse de l'aigle, un zoom sur la muse de l'aigle qu'on a appelé les piliers de la création. C'est une photo de Bull à la base. Et donc, vous avez la partie translucide qui est du gaz. Donc, dans ce code couleur-là, avec les filtres qu'on a utilisés, le bleu c'est de l'oxygène, le vert c'est de l'hydrogène et le rouge c'est du soufre. Et ce qui est opaque, ce qui est noir ici, c'est en fait de la poussière de molécules plus grosses que ça, donc qui ne laisse pas passer la lumière visible. Et quand on regarde ça en infrarouge, eh bien ça donne quelque chose comme ça. Alors, si je fais M16 infrarouge, image. Je vais tomber sur une caméra, c'est ça? Et oui, je tombe sur des produits qui ne m'intéressent pas. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Même ça, c'est encore mieux. C'était où? Je l'ai vu passer. Voilà, c'est celle-là que je veux. Je veux celle-là, nouvel onglet. Voilà, je vous l'affiche. Hop! Voilà. Donc là, vous avez un comparatif entre des longueurs d'onde visibles et des longueurs d'onde infrarouges. Alors, c'est pas précisé lesquelles exactement. En tout cas, je ne connais pas les correspondances avec les instruments qui sont indiqués en bas. Mais voilà, on voit qu'en infrarouge, selon la longueur d'onde infrarouge, on va plus ou moins passer au travers de ces poussières. Et à certaines longueurs d'onde infrarouge, en infrarouge lointain, c'est-à-dire dans les très grandes longueurs d'onde, presque dans les ondes radio, à la limite du domaine infrarouge, eh bien, on commence à voir même de la poussière émettre de la lumière, puisque, à la bouée de froide, tout objet qui a une certaine température va émettre de la lumière infrarouge. Mais si vous êtes très froid, vous émettez de la lumière infrarouge très lointaine. Et donc, c'est avec un télescope comme Herschel qu'on peut non seulement passer au travers des nuages, mais en plus voir cette poussière émettre la faible quantité de lumière qu'elles émettent parce qu'elles ne sont pas très chaudes, quoi. Voilà. Voilà. Et pour ce qui est de notre atmosphère terrestre, eh bien, les infrarouges proches, bah, c'est comme sur l'image de gauche, en fait, ça passe pas. Ça passe pas au travers. Voilà. Voilà pour avant la dernière question. Allez, j'accélère un petit peu. Non, c'est pas ça que je veux. Vous voyez, justement, il me propose des choses bizarres. Voilà, je couperai ça au montage. Allez, c'est parti. Hop, question 3.7. Avec quel télescope spatial a-t-on découvert en 2013 une naine brune double à 6,5 années-lumière du Soleil? Sachant que bah, l'étoile la plus proche du Soleil est à 4,2 années-lumière, c'est Proxima du Centaure, qu'il y a l'étoile de Barnard à 8 années-lumière, et qu'avant ça, bah, on connaissait rien d'autre entre les deux. Et donc il y a un télescope spatial en 2013 qui a apporté, en fait, c'est la question 3.7 en même temps, Papillon 78, là on est sur le niveau plus, ça c'est normal, qui a trouvé du coup des étoiles plus proches encore que la deuxième étoile, qui est à l'époque la deuxième étoile plus proche du Soleil. Est-ce que je confonds pas avec une autre étoile? Attendez, que je vérifie si je tape étoile proche du Soleil. Vous avez un tableau hein, sur Wikipédia qui vous explique bien tout ça. Regardez les sources toujours, hein. Wikipédia c'est bien, mais il faut regarder les sources. Sinon ça sert à rien. C'est ça, l'étoile de Barnard c'était à 5,9 années-lumière, donc c'était la deuxième. Et donc là, ce télescope a trouvé la troisième. Qui avant était Wolf 359 à 7,7 années-lumière. Et donc, ce télescope a trouvé donc trois étoiles entre les deux, une double, celle dont on parle, et une autre, donc le rang 3 et le rang 4, quoi. Voilà. Cherché pour Uhuru, son nom signifie liberté en Swahili. Il a été attribué pour remercier le Kenya, d'où a été lancé le satellite qui plus est le jour anniversaire de l'apparence du Kenya. D'accord, parce qu'effectivement, lancer à l'équateur, c'est plus facile en termes balistiques. Là, on a un petit gain de vitesse quand on lance à l'équateur. Trois étoiles Michelin, chapeau. Allez, c'était l'avant-dernière question. Résultat. C'est parti, je vous l'affiche. Hop. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé, c'était le télescope WISE. Je vais effacer ça. Donc, c'est un télescope infrarouge proche, je crois, qui a été mis en orbite pour en fait étudier, découvrir en fait des astéroïdes qu'on n'aurait pas vus et qui seraient potentiellement dangereux, entre autres.
Wise est lancé et réactivé. Est lancé, il a été lancé en quelle année? Attendez. Il a été lancé en quelle année? Est-ce que ça, c'est la réactivation? Mais ce que je veux, c'est l'année de lancement. Wise. Mais oui, mais je veux Wise Telescope. Télescope. Voilà. Voilà. Il a été lancé le 14 décembre 2009 et puis il a subi ensuite plusieurs réactivations, comme pour Spitzer, quand il a eu plus assez d'hélium liquide. Et à partir de 2013, donc, il a cherché des étoiles proches du Soleil qu'on aurait ratées, en plus des astéroïdes qu'on aurait ratées. Et il en a découvert plusieurs, dont l'étoile, alors, WISE J0 855 10.74-07 144 2.5. Voilà. Souvenez-vous, les catalogues d'étoiles, c'est d'abord le nom du catalogue, WISE, et puis après, j'imagine que là, c'est pas le numéro d'entrée, ça va être les coordonnées de l'étoile ou un truc comme ça, sous une certaine forme. L'étoile Luhmann 16 et l'étoile de Scholz et d'autres étoiles. Et celle-ci est à 6,5 années-lumière du Soleil, et c'est deux naines brunes, donc deux étoiles, deux astres qui sont entre une étoile et une planète, donc suffisamment chaudes pour émettre suffisamment de lumière pour être considérées plus ou moins comme une étoile, mais pas suffisamment chaude pour que, en leur cœur, il y ait de la réaction nucléaire ou suffisamment de réaction nucléaire pour être une étoile. C'est vraiment le stade intermédiaire entre une planète géante et une étoile. Voilà. Donc Hubble, c'était visible infrarouge et ultraviolet. Spitzer, c'était infrarouge lointain. Et Gaia, c'est le successeur d'Hipparcos qui fait le catalogage de 1 milliard et quelques d'étoiles. Voilà. Et on passe à la dernière question. Que signifie le sigle KORO, nom du télescope spatial du CNES, lancé en 2006? On finit sur une question d'un projet français. C'est parti, je vais vous mettre la question. Est-ce que c'était convection, rotation et transit planétaire? Est-ce que c'était couronne, rotation et thermosphère? Est-ce que c'était couleur, roulis et tangage? Couleur verdâtre, du coup. Est-ce que c'était conduction, révolution et transit planétaire? Allez, je vous laisse répondre à cette dernière question qui n'est pas très difficile. Par élimination, comme fait Sinerta, ça devrait fonctionner. Vous devrez y arriver par élimination. Courage. Courage, courage pour cette dernière question. En tout cas, on a bien ri avec l'objectif de faire seulement 1h30. Oui, voilà, tu vois, c'est que. Mais parce qu'en fait, j'ai fait moins de questions, du coup, j'ai plus expliqué. C'est un piège. C'est un piège. Mais bon, c'est peut-être potentiellement le dernier quiz avant un moment, donc voilà. Ce sera cadeau, cadeau de la maison. Et je vous dis, je ne me ferai pas gronder si j'en fais plus. Je me ferai gronder si j'en fais moins. J'essaie de jouer mon rôle le mieux possible pour vous apprendre des choses. Et j'ai oublié ce qu'on a dit sur Corot. Corot, c'était. Ah ben sinon, mais si je te dis ce qu'il a fait, si je te dis ce qu'il a fait, je vais te spoiler la réponse là. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Tout le stream était passionnant en tout cas. Bah, merci beaucoup, Papillon78. Merci beaucoup. Allez, j'attends encore un petit peu, c'est la dernière question. Si vous regardez le live, je vois que vous êtes une cinquantaine, n'hésitez pas à participer sur la dernière question pour faire le clou du spectacle. Allez-y. Bien essayé, nous dit F5 PBG. Ah là là. L'antisèche final, non, ça ne marche pas. Pas d'antisèche. Je peux vous donner des indices, mais là, le problème, c'est que tout indice que je vous donnerai, vous donnerai la réponse, ce sera un petit peu embêtant. Si, je peux faire comme pour la SLS, je dis voilà, c'est la SLS, donc c'est Corot. Voilà, c'est pas trop dur. Alors, Corot, c'est un peintre aussi, donc il y a une référence au nom du peintre. Parce que les Français, en tout cas, aiment bien donner des noms un petit peu poétiques à leurs instruments. C'est assez connu hein, dans la communauté scientifique. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui font ça, mais en tout cas, les Français aiment bien faire ça, apparemment. Il y a plusieurs exemples. Allez, c'est bon, j'affiche le résultat de la dernière question. Attention, c'est parti! Et vous êtes 8 à avoir voté pour la réponse 1. Effectivement, c'était la réponse 1. Corot, convection, rotation et ah, pardon, convection, rotation et transit planétaire. Une petite triche sur la fin, hein. Sinon, ce serait Corotpe, mais si c'était Corotpe, ça ferait pas le peintre Corot, donc du coup, ça marchait pas. Je vous dis, les scientifiques français aiment bien faire des sigles qui veulent dire quelque chose aussi quand on le lit.
Voilà. Convection. Pourquoi convection? Bah parce que, en fait, c'est un satellite qui étudie les vitesses radiales des étoiles. C'est-à-dire qu'on va regarder un spectre de l'étoile et voir si ce spectre se décale vers le rouge ou vers le bleu ou pas. Et ce que ça nous dit, c'est si l'étoile se rapproche, décalage vers le bleu, ou s'éloigne, décalage vers le rouge. C'est-à-dire que si l'étoile se rapproche, eh bien, elle va comprimer les ondes lumineuses devant elle. Donc ça fait du bleu, du coup. Des ondes plus aiguës, en fait. C'est comme un camion de pompier qui s'approche de vous, c'est plus aigu, les ondes sont comprimées. Et derrière, les ondes plus graves quand ils s'éloignent. Et pareil, la lumière grave, bah, c'est du rouge, c'est de la lumière avec une plus longue longueur d'onde, une plus haute fréquence, une plus basse fréquence, c'est ça. C'est ça, je me trompe pas, mais c'est ça. Et donc, ça permet notamment de voir des variations aussi sur la surface de l'étoile, de mesurer des choses comme l'astérosismologie, c'est-à-dire bah, les séismes qui peuvent se produire sur une étoile, qu'on peut détecter en mesurant la vitesse radiale ou aussi en regardant sa luminosité si elle varie. On peut voir aussi sa rotation, puisque si vous avez un côté de l'étoile qui apparaît décalé vers le rouge et un côté décalé vers le bleu, c'est-à-dire qu'elle est en train de tourner, il y a un côté qui s'approche pendant qu'il y a un côté qui s'éloigne, c'est comme ça aussi qu'on détecte la rotation des galaxies, en regardant si les étoiles d'un côté sont plus décalées vers le rouge ou plus décalées vers le bleu, ben on peut savoir de combien elles tournent, selon l'intensité du décalage, on sait de combien ça tourne justement. Voilà, et les transits planétaires, c'est qu'il y a un deuxième instrument à l'intérieur qu'on pouvait activer, il fallait choisir entre les deux, qui pouvait observer des étoiles en photométrie, cette fois-ci, simplement regarder la lumière des étoiles, et quand elle baisse, mesurer la baisse, si c'est périodique, voir que c'est une planète qui tourne autour, la quantité de la baisse donne, si on est bien aligné avec le plan orbital de la planète, bah, ça donne la taille de la planète, et si en plus, avec le mode vitesse radiale, on a l'information de sa masse, eh bien on peut trouver sa densité, etc., etc. Et puis avec la vitesse radiale, on peut voir l'inclinaison, ce qu'on ne peut pas avoir avec le transit. Et en combinant les deux, eh bien on peut corriger les valeurs et puis avoir beaucoup d'informations sur les planètes. Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on les confirme, d'ailleurs, les exoplanètes. Couleur, roulis et tangage, c'était une blague, hein. Roulis et tangage, je me suis dit, tiens, couleur, parce que le verdâtre du mal de mer. Voilà. Voilà. Allez, combien de nouveaux scores sur 8 et puis sur 24 aussi? Et moi, je vais remettre du coup l'écran de démarrage pour qu'on puisse se dire au revoir. Voilà. Non, pas encore, comme ça. Voilà. Allez, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, que vous ayez participé ou non. Dites-moi tout, dites-moi vos scores sur 24. 3 sur 6, raté les deux premières questions. Bah, t'as la moitié, c'est bien. 7 sur 8, avec pas mal de gens sur deux questions, soit 19 sur 24. Bah, c'est bien tout ça. J'espère que vous avez appris des choses. Ceux qui ont des meilleures notes, les meilleures notes, j'espère que vous avez appris des choses quand même et que vous avez juste évité des pièges. Et ceux qui ont des moins bonnes notes, j'espère que vous avez appris tout ce que vous ne saviez pas. Voilà, toujours super intéressant. Merci Caninotte. Merci pour ce quiz, c'était super, j'imagine. 7 sur 24. Ouais, mais du coup, si tu le refaisais, Zygomatics, t'en saurais beaucoup plus maintenant. Appris plein de choses. Écoutez, sur YouTube, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Et sur le chat, je vous dis à tout de suite pour se dire au revoir. Le Planétarium vous souhaite une bonne fin de soirée, fin de journée, tout ce que vous voulez. À bientôt!